Récits de feu Ivan Petrovitch Belkin d'Alexandre Pouchkine. Avertissement de l'éditeur par Alexandre Pouchkine. Ayant entrepris de mener à bien la publication des récits d'Ivan Petrovitch Belkin, que nous proposons aujourd'hui à l'attention du public, nous eussions aimé accompagner ces dernières ne fût-ce que d'une brève biographie du défunt auteur. Afin de satisfaire au moins en partie à la légitime curiosité des amateurs de nos belles lettres. Pour ce faire, nous nous sommes adressés à Maria Alexeyevna Trafilina, la parente la plus proche et l'héritière d'Ivan Petrovitch Belkin. Mais il lui fut malheureusement impossible de nous informer en rien au sujet du défunt, puisque ce dernier lui était parfaitement inconnu. Elle nous conseilla à cette fin de solliciter un certain homme de mérite ancien ami d'Ivan Petrovitch. Nous suivîmes ce conseil et reçûmes à notre requête la réponse souhaitée, si après reproduite. Nous la citons sans aucune modification ni commentaire, comme un précieux témoignage de nobles opinions et d'une amitié émouvante, et d'autre part, comme une information biographique fort satisfaisante. Monsieur, votre bien aimable lettre datée du 15 de ce mois que le 23 du même mois j'ai eu l'avantage de recevoir, dans laquelle vous me faites part de votre désir d'être complètement renseigné au sujet de la date de naissance et de mort, du service, des affaires familiales, ainsi que des occupations et du caractère du défunt Ivan Petrovitch Belkin, mon feu sincère ami et voisin. C'est avec une grande joie que je satisfais à votre désir et vous communique, monsieur, tout ce que de ces conversations, ainsi que de mes propres observations me rappeler je puis. Ivan Petrovitch Belkin naquit à une noble et honnête famille en l'an 1798 dans le village de Goryukino. Feu son père, le commandant Piotr Ivanovitch Belkin, avait pris pour femme la demoiselle Pelageya Gavrilovna, de la lignée des Trafilines. Il n'était pas un homme de grande fortune, mais de besoins modérés et fort habile pour la chose domestique. Leur fils reçut sa première éducation du sacristain du village. C'est à cet honorable homme qu'il devait, semble-t-il, son inclination à la lecture et aux occupations relatives aux belles lettres russes. En l'an 1815, il prit du service dans un régiment de chasseurs, dont je ne puis me rappeler le numéro, dans lequel il demeura jusqu'en l'an 1823. La mort de ses parents, survenue presque en même temps, le contraignit à démissionner et à revenir dans le village de Goryukino, son patrimoine. Ayant pris en main l'administration de ses terres, Ivan Petrovitch, du fait de son inexpérience et de sa nature miséricordieuse, eut au fait de compromettre ses affaires et de gâter l'ordre strict établi par feu son père. Ayant congédié le staroste, qui était consciencieux et adroit, et dont les paysans, comme à leur habitude, se plaignaient. Il remit la gérance de sa terre à sa vieille ménagère, qui avait gagné sa confiance par son art de conter des histoires. La dite vieille, qui était sotte, ne sut jamais distinguer un assignat de vingt-cinq roubles d'un assignat de cinquante. Les serfs, dont elle était de tous la marraine, ne la craignaient point. Le staroste qu'ils élurent, lui-même un fripon. Leur manifestait une telle indulgence qu'Ivan Petrovitch se vit obligé d'abolir la corvée et d'établir une taille fort modérée. Mais là encore, profitant de sa faiblesse, les paysans le convainquirent de leur accorder une exemption considérable pour la première année, et les années suivantes payèrent plus des deux tiers de leurs redevances en noix, RL, etc. Mais d'alors, il restait des arrérages. « En qualité d'ami de feu le père d'Ivan Petrovitch, j'estimais de mon devoir d'offrir également mes conseils à son fils et de me mettre à sa disposition pour rétablir l'ordre précédent par lui négligé. Pour ce faire, lors d'une visite à lui rendue, j'exigeai des livres de contes, fis comparaître ce fripon de Starost et, en la présence d'Ivan Petrovitch, m'attelai à l'étude des dix livres. » Le jeune propriétaire me prêta d'abord toute l'attention et toute l'application possible. Mais comme il apparaissait, d'après les comptes, que durant les deux dernières années le nombre de cerfs avait augmenté, alors que la quantité de volailles et de bétail avait ostensiblement décru, Ivan Petrovitch se satisfit de cette première information et ne m'écouta plus. Et au moment même où, par mes investigations et mon sévère interrogatoire, j'avais réussi à confondre tout à fait ce fripon de Starost et à le réduire au silence complet, j'entendis, à mon plus grand dépit, Ivan Petrovitch ronfler à grand bruit sur sa chaise. Je cessai dès lors de me mêler de la gérance de sa propriété, et, tout comme lui, je remis ses affaires à la bonne grâce du Très-Haut. Ceci n'altéra nullement, du reste, notre amicale relation. Puisque compatissant à sa faiblesse et à la funeste incurie qu'il partageait avec les autres jeunes gens de notre noblesse, je n'en aimais pas moins sincèrement Ivan Petrovitch. Il était d'ailleurs bien impossible de ne pas avoir d'affection pour un jeune homme si doux et si honnête. Ivan Petrovitch, de son côté, témoignait de la considération pour mon âge et m'était cordialement dévoué. Jusqu'à son décès, il continua de me voir presque chaque jour. Appréciant l'occasion de discourir simplement avec moi, bien que par nos habitudes, nos opinions et nos caractères, nous divergeassions grandement l'un de l'autre. Ivan Petrovitch avait un mode de vie des plus modérés et évitait tout excès. Jamais il ne m'advint de le voir émécher, ce qui dans notre contrée passe légitimement pour un miracle inouï. Pour la gente féminine, il avait une inclination notoire mais possédait une pudeur véritablement virginale. Outre les récits que vous avez bien voulu mentionner dans votre lettre, Ivan Petrovitch a laissé quantité de manuscrits, dont une partie se trouve en ma possession, et une autre partie a été employée par la ménagère à divers usages domestiques. Ainsi, l'hiver dernier, toutes les fenêtres de sa maison furent calfeutrées avec la première partie d'un roman inachevé. Les récits ci-dessus mentionnés furent, semble-t-il, son premier essai. Ils sont, comme avait coutume de dire Ivan Petrovitch, véridiques pour la plupart et recueillis par lui auprès de diverses personnes. Toutefois, les noms propres y sont presque tous de sa propre invention, tandis que les noms des hameaux et villages sont pour la plupart empruntés à notre terroir, pour laquelle raison mon village s'y trouve également quelque part mentionné. La cause n'en était point quelque malicieuse pensée, mais uniquement un manque d'imagination. Ivan Petrovitch, à l'automne de l'an 1828, prit un coup de froid qui se transforma en fièvre chaude. Il mourut en dépit des efforts inlassables de notre médecin de campagne, homme fort adroit, surtout quant au traitement de maladies invétérées, comme les corps aux pieds et d'autres maux de ce genre. Il mourut dans mes bras dans sa trentième année et fut enseveli à l'église du village de Goryukino, auprès de Feu ses parents. Ivan Petrovitch était de taille moyenne, avait les yeux gris, les cheveux blonds, le nez droit. Il avait le visage maigre et le teint blanc. Voici, très cher monsieur, tout ce dont j'ai pu me souvenir concernant le mode de vie, les occupations, le caractère et l'apparence de Feu mon voisin et ami, Ivan Petrovitch Belkin. Cependant, dussiez-vous trouver opportun de faire de cette lettre quelque usage? Je vous prie fort humblement de ne point mentionner mon nom, car bien qu'ayant une grande considération et une grande affection pour les littérateurs, j'estime inutile et inconvenant à mon âge de m'affubler de ce titre. Avec ma plus parfaite considération, etc. etc. Au village de Nenaradovo, le 16 novembre 1830. Estimant de notre devoir de respecter la volonté de l'honorable ami de notre auteur. Nous lui exprimons ici notre plus profonde gratitude pour les informations qu'il a bien voulu nous apprendre, et espérons que le public en appréciera la sincérité et la candeur. Cette note de l'éditeur est une parodie des faux lettrés. Pouchkine, avec sa facétie habituelle, y prend pour cible les littérateurs précieux de son époque, et fait un pastiche de leur style empoulé, prétentieux et truffé de lieux communs. La lourdeur de cette préface est en outre destinée à trancher avec l'élégante clarté des récits proprement dits et soulignée par ce contraste que ce prétendu éditeur n'a, comme il le dit, rien à voir avec ce monsieur Belkin, prétendu auteur des récits qui suivent. Le coup de feu. 1. Nous avions nos quartiers dans la bourgade de On sait ce qu'est la vie d'un officier de garnison. Le matin, exercice, manège. Repas chez le commandant du régiment ou dans une auberge juive. Le soir, penche et carte. Ah. Il n'y avait pas une maison où l'on un salon, pas une jeune fille à marier. Nous nous réunissions les uns chez les autres et nous n'y voyions rien que nos uniformes. Un homme seulement appartenait à notre société sans être militaire. Il avait près de trente-cinq ans ce qui en faisait à nos yeux un vieillard. L'expérience lui donnait sur nous maintes avantages. Du reste, son air habituellement taciturne, son caractère rude et sa mauvaise langue influençaient fortement nos jeunes esprits. Une sorte de mystère entourait son destin. Il paraissait russe, mais portait un nom étranger. Il avait jadis servi dans les hussards, et non sans succès. Nul ne savait ce qui l'avait poussé à démissionner et à s'installer dans cette triste bourgade où il menait un train de vie à la fois frugal et prodigue. Il allait toujours à pied, vêtu d'une redingote noire usée, mais tenait table ouverte pour tous les officiers de notre régiment. À vrai dire, son dîner consistait en deux ou trois plats préparés par un soldat à la retraite, mais le champagne y coulait à flot. Personne ne connaissait l'étendue de sa fortune ni de ses rentes et personne n'osait lui en poser la question. On trouvait chez lui des livres autour des sujets militaires et des romans. Il les prêtait volontiers sans jamais les réclamer. En revanche, il ne rendait jamais à son propriétaire un livre emprunté. Son exercice favori était le tir au pistolet. Les murs de sa chambre étaient rongés par les balles, aussi pleins d'alvéoles que les rayons d'une ruche. Une riche collection de pistolets était le seul luxe de la pauvre masure qu'il habitait. Il était parvenu à une adresse incroyable, et il s'était proposé d'abattre une poire posée sur la casquette de quelqu'un. Nul dans notre régiment n'eût craint d'y risquer sa tête. Notre conversation avait souvent trait au duel. Silvio, je l'appellerai ainsi, n'y prenait alors jamais part. Il répondait sèchement à nos questions qu'il lui était arrivé de se battre, mais ne rentrait point dans les détails, et l'on voyait que de telles questions lui étaient désagréables. Nous supposions qu'il avait sur la conscience quelque malheureuse victime de sa terrible adresse. D'ailleurs, nous ne songions pas même à soupçonner en lui fût-ce un semblant de poltronnerie. Il existe des gens dont le seul aspect écarte de tels soupçons. Un incident imprévu nous stupéfia tous. Un jour, une dizaine de nos officiers dînaient chez Silvio. Nous buvions comme à l'ordinaire, c'est-à-dire beaucoup. Après le repas, nous insistâmes pour que l'hôte nous teint une banque. Il refusa longtemps, ne jouant presque jamais. Enfin, il ordonna d'apporter de cartes, jeta sur la table une cinquantaine de pièces d'or et commença de tailler. Nous l'entourâmes et le jeu s'engagea. Silvio avait l'habitude de garder durant le jeu un silence absolu ne discutait pas et ne s'expliquait pas. S'il arrivait à un ponteur de se tromper, il payait aussitôt ce qui manquait ou inscrivait l'excédent. Nous le savions bien et nous laissions Silvio faire à sa manière, mais nous avions parmi nous un officier muté depuis peu dans notre régiment. Il jouait avec nous et fit par distraction un paroli de trop. Silvio prit la craie et rétablit le compte selon son habitude. L'officier, pensant qu'il s'était trompé, se lança dans des explications. Silvio continua de tailler sans rien dire. L'officier perdit patience, se saisit de la brosse et effaça ce qu'il croyait inscrit à tort. Silvio prit la craie et l'inscrivit de nouveau. L'officier à qui le vin, le jeu et le rire de ses camarades avaient échauffé l'esprit se sentit cruellement offensé. Pris de rage, il saisit un chandelier de cuivre sur la table et le lança sur Silvio qui l'esquiva de justesse. Nous étions tous fort embarrassés. Silvio se leva, blême de colère, et dit avec un regard étincelant Monsieur, veuillez sortir et remercier Dieu que cela soit arrivé dans ma maison Nous ne doutions pas des conséquences et considérions notre nouveau camarade comme mort. L'officier sortit en disant qu'il était prêt à répondre de son offense à la convenance de monsieur le banquier. La partie se prolongea encore quelques minutes, mais, sentant que notre hôte n'avait pas l'esprit à jouer, nous quittâmes le jeu un à un et rejoignîmes nos logis en discutant de l'imminente vacance au régiment. Le lendemain au manège, nous nous enquérions déjà de savoir si le pauvre lieutenant était toujours en vie, quand il apparut parmi nous en personne. Nous lui posâmes la même question. Il répondit qu'il n'avait eu nulle nouvelle de Silvio. Cela nous étonna. Nous allâmes chez Silvio et nous le trouvâmes dans sa cour, logeant balle sur balle dans l'as collé sur la porte cochère. Il nous reçut comme à son habitude, sans rien dire de l'incident de la veille. Trois jours s'écoulèrent et le lieutenant était encore en vie. Nous nous demandions avec étonnement Silvio ne se battra-t-il pas Silvio ne se battit pas. Il se satisfit d'une explication superficielle et se réconcilia avec l'offenseur. Ceci faillit lui nuire considérablement aux yeux des jeunes officiers. Les jeunes gens pardonnent moins que tout le manque de bravoure, car ils y voient l'habitude le sommet du mérite humain et l'excuse à toutes sortes de vices. Pourtant, petit à petit tout s'oublia, et Silvio retrouva son influence première. Moi seul je ne parvenais plus à m'en rapprocher. Étant doté de nature d'une imagination romanesque, j'avais été plus attaché que tous les autres à cet homme dont la vie était une énigme, et qui me semblait être le héros de quelque mystérieux roman. Il avait de l'affection pour moi. Du moins, étais-je le seul avec qui Silvio se départait de son habituelle et acerbe médisance, et discourait de choses et d'autres avec candeur et une extrême aménité. Néanmoins, après cette malheureuse soirée, la pensée que son honneur fut souillé et le resta par sa propre faute, cette pensée ne me quittait pas et m'empêchait de me comporter envers lui comme auparavant. J'avais honte de le regarder. Silvio était trop intelligent et avait trop d'expérience pour ne pas s'apercevoir de ce changement et ne pas en deviner la cause. Cela paraissait le chagriner. Tout au moins avais je perçu à quelques deux reprises son désir de s'expliquer avec moi. Mais je fuyais de telles occasions, et Silvio renonça. Dès lors, je ne le rencontrais plus qu'en présence de mes camarades, et ceci mit fin à nos conversations intimes de jadis. Les habitants distraits de la capitale n'ont pas idée de nombreuses émotions si familières aux habitants des petites villes et des campagnes, comme par exemple l'attente du jour du courrier. Tous les mardis et vendredis, le bureau de notre régiment était plein d'officiers. Certains attendaient de l'argent, d'autres des lettres, d'autres des journaux. Les paquets étaient d'habitude décachetés sur le champ. Les nouvelles se répandaient vite et le bureau présentait un spectacle fort animé. Silvio recevait ses lettres à l'adresse de notre régiment et se trouvait habituellement présent à la distribution. Un jour, on lui remit un pli dont il arracha le cachet avec un air d'extrême impatience. Ses yeux étincelaient en parcourant la lettre. Les officiers, occupés chacun à leurs affaires, n'en remarquèrent rien. Messieurs, leur dit Silvio, les circonstances exigent que je m'absente immédiatement. Je pars cette nuit même. J'espère que vous ne me refuserez pas l'honneur de dîner chez moi une dernière fois. Je compte sur vous aussi, poursuivit il en s'adressant à moi, je compte sur vous tout particulièrement. Sur ces mots, il sortit précipitamment et nous nous séparâmes pour aller chacun de notre côté, étant convenu de nous réunir chez Silvio. J'arrivai chez Silvio à l'heure dite et y trouvai presque tous les officiers du régiment. Tout son bagage était fait et il ne restait plus dans la maison que les murs nus criblés de balles. Nous nous mîmes à table et notre hôte était d'une humeur excellente. Sa gaieté se communiqua bientôt à tous. Les bouchons sautaient à chaque instant, les verres moussaient et pétillaient sans cesse, et nous mettions tout notre empressement à souhaiter aux voyageurs bonne route et bon vent. Nous ne quittâmes la table que tard dans la nuit. Alors que les convives récupéraient leurs casquettes et prenaient congé de Silvio, il me prit le bras et me retint à l'instant où j'allais sortir. Il faut que je vous parle, dit il à voix basse, et je restai. Les invités s'en allèrent. Nous restâmes seuls, nous assîmes l'un en face de l'autre et allumâmes nos pipes en silence. Silvio était préoccupé. Toute trace de sa gaieté fébrile avait disparu. Sa pâleur rembrunie, ses yeux brillants et l'épaisse fumée qui sortait de sa bouche lui donnaient l'air d'un vrai diable. Quelques minutes s'écoulèrent et Silvio rompit le silence. Il est possible que nous ne nous reverrons jamais plus, me dit il. Avant de nous séparer, j'ai voulu m'expliquer avec vous. Vous avez pu vous rendre compte que je fais peu de cas de l'opinion d'autrui, mais j'ai de l'affection pour vous, et je sens qu'il me serait pénible de laisser en votre esprit une impression injuste. » Il s'arrêta et se mit à bourrer sa pipe qui était éteinte. Je me taisais, baissant les yeux. « Il vous a paru étrange, poursuivit-il, que je n'aie pas exigé réparation de cet ivrogne extravagant ?» Vous conviendrez qu'ayant le choix des armes, sa vie était entre mes mains et la mienne presque en sécurité. Je pourrais attribuer ma retenue à ma seule magnanimité, mais je ne veux pas mentir. Si j'avais pu châtier R sans aucunement risquer ma vie, je ne l'aurais jamais pardonné. Je regardais Silvio abasourdi. Cet aveu me troubla profondément. Silvio poursuivait. Parfaitement, je n'ai pas le droit de m'exposer à la mort. Il y a six ans, j'ai reçu un soufflet et mon ennemi est encore en vie. Ma curiosité était au comble. Vous ne vous êtes pas battu avec lui demandai-je. Les circonstances vous auront séparé Je me suis battu avec lui, répondit Silvio, et voici un souvenir de notre duel. Silvio se leva et sortit d'un carton un bonnet rouge à galons et houpe d'or, ce que les Français appellent bonnet de police. Il s'en coiffa. Le bonnet était troué par une balle à un doigt du front. Vous savez que j'ai servi dans le régiment des hussards de... continua Silvio. Vous connaissez mon caractère. J'ai l'habitude d'être premier en tout. Mais dans ma jeunesse, ce désir avait la force d'une passion. La débauche était à la mode à notre époque. J'étais le premier tapageur de l'armée. On se vantait de boire. Je l'emportais même sur ce fameux bourtsov, chanté par Denis Davidoff. Les duels survenaient à chaque instant dans notre régiment. Pour chacun d'eux, j'étais ou parti ou témoin. Mes camarades m'adoraient et les commandants du régiment, sans cesse remplacés, me considéraient comme un mal nécessaire. Je jouissais paisiblement, si l'on peut dire, de ma gloire. Lorsqu'un jeune homme d'une famille riche et illustre que je ne souhaite pas nommer s'enrôla chez nous. De ma vie, je n'avais rencontré un homme si heureux en toutes choses et si brillant. Imaginez-vous la jeunesse, l'esprit, la beauté, la gaieté la plus débridée, l'audace la plus insouciante, un grand nom, de l'argent qu'il dépensait sans compter et dont il ne manquait jamais, et imaginez maintenant l'effet qu'il dut produire parmi nous. Ma supériorité chancela. Attiré par ma renommée, il allait rechercher mon amitié, mais je le reçus froidement et il s'éloigna de moi sans le moindre regret. Je le haïs. Le succès dont il jouissait dans le régiment et auprès des femmes me mettait au comble du désespoir. Je me mis à lui chercher querelle. À mes épigrammes, il répondait par des épigrammes qui me semblaient toujours plus originales et plus acerbes que les miennes et qui étaient certes incomparablement plus gais. Il plaisantait alors que j'étais fielleux. Un soir, Enfin, au bal d'un hobro polonais, le voyant l'objet de l'attention de toutes les femmes, et tout particulièrement de l'hôtesse qui avait une liaison avec moi, je lui soufflai à l'oreille quelques plates grossièretés. Il s'emporta et me gifla. Nous nous jetâmes sur nos sabres, les dames s'évanouirent, on nous sépara de force, et la nuit même nous allâmes nous battre. C'était à l'aube. Je me trouvai à l'endroit désigné avec mes trois témoins, et c'était avec une impatience inexplicable que j'attendais mon adversaire. Le soleil printanier s'était levé et la chaleur croissait. Je le vis de loin. Il venait à pied, son manteau d'uniforme pendu sur le sabre, accompagné d'un seul témoin. Nous allâmes à sa rencontre. Il s'approchait tenant à la main une casquette remplie de cerises. Nos témoins mesurèrent douze pas et je devais tirer en premier. Mais la rancœur m'agitait si violemment que je doutais de la sûreté de ma main, et, pour me donner le temps de me calmer, je lui cédai le premier coup. Mon adversaire refusa. On convint de tirer au sort. Le premier numéro échut à cet éternel favori de la fortune. Il visa et atteignit ma casquette. C'était à mon tour de tirer. Sa vie était enfin entre mes mains. Je le dévorai du regard. Tentant de déceler fût-ce l'ombre d'une inquiétude. Il se tenait debout dans ma ligne de tir, choisissant dans sa casquette les cerises les plus mûres. Les noyaux qu'il recrachait m'atteignaient presque. Son indifférence me fit enrager. À quoi bon, pensais-je, lui ôter une vie à laquelle il attache si peu de prix? Une pensée perfide me traversa l'esprit. Je baissai mon pistolet. Il semblerait que vous n'ayez pas l'esprit à mourir, lui dis-je. Vous me faites l'honneur de déjeuner en ma présence, et je crains de vous importuner. ⁇ Vous ne m'importunez nullement ⁇ répliqua-t-il. Tirez donc, je vous en prie. Ceci dit, faites comme il vous plaira. Vous gardez droit à votre coup, je reste à votre disposition. ⁇ Je déclarai à mes témoins que je n'avais pas l'intention de tirer aujourd'hui, et le duel se termina ainsi. Je donnai ma démission et me retirai dans cette bourgade. Pas un jour ne s'est passé depuis où je n'ai songé à me venger. Aujourd'hui, mon heure est venue. Silvio sortit de sa poche la lettre qu'il avait reçue le matin et me la donna à lire. On lui écrivait de Moscou. Il s'agissait, semble-t-il, de son chargé d'affaires, qu'une certaine personne s'apprêtait à s'unir prochainement en légitime mariage avec une jeune fille de grande beauté. Vous devinez, me dit Silvio, qui est cette certaine personne je pars pour Moscou. Nous verrons si à la veille de ses noces, il accueillera la mort avec autant d'indifférence que naguère, en mangeant des cerises. À ces mots, Silvio se leva, jeta par terre sa casquette et se mit à marcher de long en large dans la chambre comme un tigre en cage. Je l'écoutais immobile. Des sentiments étranges et contradictoires m'agitaient. Le valet entra et annonça que les chevaux étaient prêts. Silvio me serra fortement la main, nous nous embrassâmes. Il monta dans la voiture où se trouvaient deux valises, l'une avec les pistolets et l'autre avec ses effets. Nous nous dîmes adieu encore une fois et les chevaux partirent au galop. 2. Quelques années s'écoulèrent et des raisons de famille m'obligèrent à m'installer dans un pauvre hameau de la circonscription de N. Tout occupé que j'étais par la gestion de mes propriétés, je ne cessais de soupirer discrètement après mon existence insouciante et tumultueuse d'autrefois. Le plus difficile était de m'habituer à passer les soirées d'automne et d'hiver dans une complète solitude. Je me traînais tant bien que mal jusqu'au dîner, causant avec le staroste, assistant aux travaux des champs ou visitant les nouvelles installations. Mais sitôt que le crépuscule tombait, je ne savais plus où me mettre. Le peu de livres dénichés sous les armoires et dans le grenier M'étaient déjà connus par cœur. Toutes les histoires merveilleuses dont pouvait se souvenir ma ménagère, Kirilovna, m'avaient été contées. Les chansons des paysannes me donnaient du vague à l'âme. Pour un peu, je me serais mis à la liqueur de baie, mais j'en avais des maux de tête. D'ailleurs, j'avoue avoir eu peur de devenir ivrogne par dépit. Ceux-là sont les pires ivrognes, et j'en avais vu plus d'un dans notre district. Il n'y avait point de voisins suffisamment proches, quelques-uns des pires mis à part dont le discours se réduisait à des hoquets et des soupirs émus. La solitude était plus facilement supportable. À quatre verstes de chez moi s'étendait la riche propriété de la comtesse de B, dans laquelle ne vivait que son régisseur. La comtesse ne s'y était rendue qu'une seule fois durant la première année de son mariage et encore n'y avait-elle passé qu'un mois. Pourtant, au second printemps de ma réclusion, le bruit se répandit que la comtesse et son mari viendraient passer l'été dans leur campagne. Ils arrivèrent en effet au début du mois de juin. L'arrivée d'un riche voisin marque toute une époque pour les habitants de la campagne. Les châtelains et leurs gens en parlent deux mois avant et trois ans après. En ce qui me concerne, je dois avouer que la nouvelle annonçant l'arrivée d'une belle et jeune voisine avait eu sur moi un effet considérable. Je brûlais d'impatience de la rencontrer. Aussi m'en allais-je, le premier dimanche après son arrivée, me recommander à leurs excellences comme leurs plus proches voisins et très humbles serviteurs. Un laquais m'introduit dans le cabinet du comte et alla m'annoncer. Le cabinet était vaste et décoré de la façon la plus luxueuse. Des étagères remplies de livres et surmontées chacune d'un buste en bronze longeaient les murs. Un large miroir dominait la cheminée. Le sol était revêtu de toile vertes et recouvert de tapis. Privé de luxe dans mon pauvre logis et déshabitué depuis longtemps de la richesse d'autrui, je me sentis intimidé et attendis le comte avec une sorte d'émoi, comme un solliciteur de province attend la sortie d'un ministre. Les portes s'ouvrirent et un homme d'environ trente deux ans entra, très bien fait de sa personne. Le comte s'approcha de moi avec un air avenant et amical, et je m'efforçais de retrouver une contenance et commençai à décliner mes qualités. Mais il me devança. Nous nous assîmes. Sa conversation, libre et courtoise, dissipa ma fruste timidité. Je recouvrais peu à peu mon aisance quand soudain la comtesse entra, et je retombai dans mon embarras. En vérité, c'était une femme d'exceptionnelle beauté. Le comte me présenta à elle, j'affectai la désinvolture, mais plus je voulais paraître à mon aise, plus je me sentais gauche. Pour me donner le temps de me remettre et me faire à cette nouvelle connaissance, ils se mirent à parler entre eux, me traitant en bon voisin et sans cérémonie. Pendant ce temps, je faisais les cent pas dans la pièce, regardant les livres et les tableaux. Je ne suis pas connaisseur en peinture. Pourtant, l'une des toiles attira mon attention. Elle représentait un paysage suisse quelconque. Ce ne fut pas la peinture en elle-même qui me frappa mais la trace que la toile gardait de deux balles fichées l'une sur l'autre. Voici un beau coup, dis je en m'adressant au comte. Oui, répondit il, un coup exceptionnel. Êtes vous bon tireur? poursuivit il. Assez, répondis je, content que la conversation touchât enfin un thème qui m'était familier. À trente pas je ne manquerais pas une carte à jouer, avec des pistolets que je connais, bien entendu. Vraiment? fit la comtesse d'un air de grande attention. Et toi, mon ami, mettrais-tu une balle dans une carte à trente pas Un jour nous essaierons, reprit le comte. En montant, je ne tirais pas si mal. Mais voilà quatre ans que je n'ai pas tenu de pistolet. Oh. dis-je, en ce cas, je suis prêt à parier que Votre Excellence ne percerait pas une carte à jouer à vingt pas. Le pistolet exige un exercice journalier. Je le sais d'expérience. Dans notre régiment, je passais pour être l'un des meilleurs tireurs. Il m'advint une fois de rester tout un mois sans toucher à un pistolet. Les miens étaient en réparation. Eh bien, me croirez-vous, Excellence La première fois que je me remis à tirer, je manquai à quatre reprises une bouteille à vingt-cinq pas. Nous avions un capitaine plaisantin et bel esprit à sa manière, qui passait par là et me dit :« Mon ami, il faut croire que tu n'oses lever la main sur une bouteille. » Non, Excellence, il ne faut point négliger l'exercice, faute de quoi on perd vite la main. Le meilleur tireur qu'il m'ait été donné de rencontrer s'exerçait chaque jour au moins trois fois avant le dîner. C'était chez lui une habitude aussi ferme que le verre de vodka. Le comte et la comtesse étaient ravis de me voir lier conversation. Et que valait son tir demanda le comte. Eh bien, voilà, Excellence, il pouvait lui arriver de voir une mouche se poser sur le mur. Vous riez, comtesse Je vous jure que c'est vrai. Il voit la mouche et s'écrie. Cousca, Mon pistolet Cousca lui apporte un pistolet chargé, et boum Il vous enfonce la mouche dans le mur. Étonnant fit le comte. Et quel était son nom Silvio, Excellence. Silvio s'écria le comte avec un sursaut. Vous avez connu Silvio Comment ne l'aurais-je pas connu, Excellence Nous étions bons amis. Il était accueilli dans notre régiment comme un vieux camarade. Mais voici pourtant cinq ans que je n'ai pas de nouvelles de lui. C'est donc que Votre Excellence le connaissait aussi Je l'ai connu, je l'ai bien connu. Ne vous a-t-il pas conté... Mais non, j'en doute. Ne vous a-t-il jamais conté une très singulière aventure S'agirait-il, Excellence, d'un soufflet qu'il reçut à un bal de quelque écervelé Vous aurait-il dit le nom de cet écervelé Non, Excellence, il ne me l'a pas dit. Ah, Excellence, poursuivis-je, devinant la vérité. Pardonnez-moi, j'ignorais. Serait-ce vous Moi-même, répondit le comte, l'air profondément dépité, et le tableau percé est le souvenir de notre dernière rencontre. Oh, mon cher dit la comtesse, pour l'amour de Dieu, ne continue pas, c'est trop affreux. Non, répliqua le comte, je lui raconterai tout. Il sait de quelle façon j'ai offensé son ami, qu'il apprenne aussi comment Silvio s'est vengé. Le comte m'offrit un fauteuil, et j'entendis avec la plus vive curiosité le récit suivant. Il y a cinq ans je me suis marié. Le premier mois, le honeymoon, je l'ai passé ici dans cette campagne. Je dois à cette maison les plus beaux instants de ma vie et l'un de mes plus pénibles souvenirs. Un soir, nous sortîmes ensemble à cheval. Celui de ma femme s'entêta. Elle prit peur, me donna la bride et rentra à pied. Je la devançai. Dans la cour, j'aperçus une voiture de voyage. On me dit qu'un homme m'attendait dans mon cabinet, qui n'avait pas voulu se nommer, disant simplement qu'il avait affaire avec moi. J'entrai dans cette même pièce et je vis dans la pénombre un homme couvert de poussière, avec une barbe de plusieurs jours. Il se tenait là-bas, près de la cheminée. Je m'approchai de lui, cherchant à me remémorer ses traits. Tu ne me reconnais donc pas, comte dit il d'une voix tremblante. Silvio m'écriai je, et je vous avoue que je sentis mes cheveux se dresser soudain sur ma tête. En personne, poursuivit il, c'est à mon tour de tirer. Je suis venu décharger mon pistolet. Es-tu prêt? Un pistolet dépassait d'une de ses poches de côté. Je mesurais douze pas et me mis dans ce coin là-bas, le priant de faire vite, tant que ma femme n'était pas rentrée. Il s'attardait. Il réclama de la lumière. On apporta des bougies. Je fermai la porte à clef, donnais des ordres pour que personne n'entrât, et le priai à nouveau de tirer. Il sortit le pistolet et visa. Je comptais les secondes. Je songeais à elle. Une minute terrible s'écoula. Silvio baissa le bras. Je regrette, dit-il, que ce pistolet ne soit pas chargé de noyaux de cerise. La balle est lourde. L'impression que notre duel tourne à l'assassinat ne me quitte pas. Je n'ai pas l'habitude de viser un homme désarmé. Recommençons et laissons le sort déterminer qui tirera le premier. La tête me tournait. Je crois que je n'acceptais pas. Enfin, nous chargeâmes un second pistolet, on plia deux billets, on les déposa dans la casquette que j'avais jadis transpercée. Je tirai, cette fois encore, le premier numéro. Tu as une chance du diable, comte, dit Silvio avec un petit rire que je n'oublierai jamais. Je ne comprends pas quel devait être mon état pour qu'il pût me contraindre à tirer. Mais je tirai et j'atteignis ce tableau-là. Le comte désigna du doigt le tableau transpercé. Son visage était en feu. La comtesse était plus pâle que son mouchoir. Je ne pus retenir une exclamation. « Je tirai !» poursuivit le comte. « Et Dieu merci Je le manquais !» Alors Silvio, il était en vérité effrayant à cet instant-là, Silvio commença à me viser. Soudain, la porte s'ouvre. Macha entre en courant et avec un cri aigu se jette à mon cou. Sa présence me rendit tout mon courage. Ma chérie, lui dis-je, tu ne vois donc pas que nous plaisantons? Comme te voilà effrayée. Va donc boire un verre d'eau et rejoins nous. Je te présenterai un vieil ami et camarade. Macha avait encore peine à me croire. Dites moi si mon mari dit vrai, demanda t-elle en s'adressant au terrible Silvio. Est il vrai que vous plaisantez tous les deux? Il plaisante toujours, comtesse, lui répondit Silvio. Un jour, en plaisantant, il me gifla. En plaisantant, il fit un trou dans la casquette que voici, et c'est en plaisantant qu'il vient de me manquer maintenant. Il me vient à moi aussi l'envie de plaisanter. Sur ces mots, il voulut me mettre en joue, devant elle. Macha se jeta à ses pieds. Lève-toi, Macha. N'as-tu pas honte m'écriai-je furieux. Et vous, monsieur, cesserez-vous de vous railler d'une pauvre femme Allez-vous tirer, oui ou non Je ne tirerai pas, répondit Silvio. Je suis satisfait. J'ai vu ton trouble, ta frayeur. Je t'ai forcé à tirer sur moi. Cela me suffit. Tu te souviendras de moi. Je te livre à ta conscience. Sur ce, il sortit. Mais en passant la porte, il s'arrêta, se retourna pour jeter un regard sur le tableau transpercé par ma balle, tira presque sans viser et disparut. Ma femme gisait évanouie. Mes gens n'osaient l'arrêter et le regardaient avec effroi. Il sortit sur le perron, héla son cocher et s'en alla avant que j'eusse le temps de recouvrer mes esprits. Le comte se tut. J'avais ainsi appris la fin de l'histoire dont le début m'avait tellement frappé jadis. Je n'ai plus revu son héros. On raconte que Silvio, lors de l'insurrection d'Alexandre Ypsilantis, commandait un détachement des hétéristes et fut tué dans la bataille de Sculeni. La tempête de neige. Les chevaux galopent sans frein, foulent la neige épaisse. Une église seule au loin devant nous se dresse. Mais soudain, la neige tombant vole et tourbillonne. Le vent souffle, les croassements d'un corbeau résonnent. Noir augure, funeste cri. Les chevaux se pressent, scrutent un horizon noirci. Leurs crinières se dresse. Joukovski. À la fin de l'année 1811, une époque pour nous mémorable, vivait dans son domaine de Nenarodovo le bon Gravila Gravilovitch R. Son hospitalité chaleureuse était connue alentour. Les voisins venaient à tout moment pour dîner, boire, faire une partie de Boston à cinq kopecks avec son épouse Praskovia Petrovna, et d'aucuns pour contempler leur fille Maria Gravilovna, une demoiselle svelte, pâle et âgée de dix-sept ans. Elle passait pour être un riche parti, et nombreux étaient ceux qui la voyaient déjà fiancée à eux-mêmes ou à leurs fils. Maria Gravilovna était nourrie de romans français. Et était donc amoureuse. L'objet élu de sa passion était un enseigne d'infanterie sans fortune, qui se trouvait alors en permission dans son village. Il est bien entendu que le jeune homme brûlait pour elle d'un amour égal, et que les parents de sa bien-aimée, ayant remarqué leur inclination réciproque, avaient interdit à leur fille d'y penser seulement et le recevraient avec moins d'égard qu'un assesseur à la retraite. Nos amoureux étaient en correspondance et se voyaient chaque jour en tête-à-tête tête dans la Pinède, ou près de la vieille chapelle. Là, ils juraient l'un à l'autre un amour éternel, se lamentaient sur leur sort et faisaient diverses suppositions. S'écrivant et s'entretenant de la sorte, ils parvinrent, ce qui est bien naturel, au raisonnement suivant. Puisque nous ne saurions vivre l'un sans l'autre, et que la cruelle volonté parentale s'oppose à notre félicité, ne pourrions-nous pas passer outre il va de soi que cette heureuse idée visita en premier l'esprit du jeune homme, et qu'elle séduisit tout à fait l'imagination romantique de Maria Gravilovna. L'hiver advint et mit fin à leurs entrevues. La correspondance n'en devint que plus vive. Vladimir Nikolaïevitch, dans chaque lettre, implorait sa bien-aimée de se fier à lui, de l'épouser en secret, de disparaître pendant quelque temps, puis de venir se jeter aux pieds de ses parents qui, à n'en point douter, ne manquerait pas d'être touchée de la constance héroïque et du malheur des amants, et leur dirait certainement. Enfant, venez dans nos bras. Maria Gravilovna hésita longtemps. Une multitude de projets de fugue furent repoussés. Enfin, elle accepta. Le jour convenu, elle devait se retirer du dîner sous prétexte d'un mal de tête et monter dans la chambre. Sa servante était complice. Toutes les deux devaient sortir de la maison par le jardin, trouver à l'arrière un traîneau prêt à partir, y monter et aller directement à l'église du village de Jadrino, située à cinq vertes de Nenaradovo, où Vladimir était censé les attendre. La veille du jour décisif, Maria Gavrilovna ne dormit pas de la nuit. Elle faisait ses paquets, emballait linge et vêtements, écrivit une longue lettre à une certaine amie, une demoiselle sensible, une autre à ses parents. Elle leur disait adieu dans les termes les plus émouvants, excusait son acte par l'irrésistible ardeur de sa passion, et finissait en disant qu'elle tiendrait pour le plus heureux de sa vie le moment où il lui serait permis de se jeter aux pieds de ses adorés géniteurs. Ayant cacheté les deux lettres d'un seau artisanal de Toulas sur lequel figuraient deux cœurs ardents et une devise appropriée, elle se jeta sur son lit au petit matin et s'assoupit. Mais des songes atroces la réveillaient à chaque instant. Tantôt, il lui semblait qu'à l'instant où elle montait dans le traîneau pour aller devant l'hôtel, son père l'arrêtait, la traînait dans la neige avec une rapidité douloureuse et la précipitait dans un sombre cachot sans fond. Et brusquement, elle tombait dans le gouffre avec un indicible arrêt du cœur. Tantôt, elle voyait Vladimir, gisant dans l'herbe, pâle et ensanglanté. Sur le point d'expirer, il la suppliait d'une voix stridente de hâter leur mariage. D'autres visions hideuses et insensées défilaient tour à tour devant son regard. Enfin, elle se leva plus pâle que de coutume et avec un mal de tête non fin. Son père et sa mère remarquèrent son trouble. Leurs tendres prévenances et leurs questions incessantes Qu'as-tu, ma chat? N'es-tu pas malade, ma chat? Et lui déchiraient le cœur. Elle s'efforçait de les rassurer, de paraître gai, mais ne le pouvait point. Le soir vint. L'idée qu'elle passait pour la dernière fois la soirée au milieu de sa famille lui pesait sur le cœur. Elle était sur le point de défaillir. Elle disait secrètement adieu à toutes les personnes, à tous les objets qui l'entouraient. On servit le dîner, son cœur battit fortement. D'une voix tremblante, elle déclara qu'elle n'avait pas faim et prit congé de son père et de sa mère. Ils l'embrassèrent et, selon leur habitude, la bénirent. Elle faillit pleurer. Une fois montée dans sa chambre, elle se jeta dans un fauteuil et fondit en larmes. Sa servante essayait de la calmer et de la rassérener. Tout était prêt. Dans une demi-heure, Macha devrait abandonner à jamais la maison de ses parents, sa chambre et sa paisible vie de jeune fille. Dehors, une tempête faisait tourbillonner la neige. Le vent hurlait, les volets tremblaient et claquaient. Tout lui semblait menace et présage de chagrin. Bientôt la maison entière s'apaisa et s'endormit. Macha s'enveloppa dans son châle, revêtit une chaude capote, prit sa cassette dans les mains et sortit par la porte de derrière. Sa servante la suivait avec deux baluchons. Elles descendirent dans le jardin. La tempête faisait rage. Le vent soufflait de front comme s'il s'efforçait d'arrêter la jeune fautive. Elles atteignirent à grand-peine le fond du jardin. Sur la route, le traîneau les attendait. Les chevaux, transis de froid, ne tenaient pas en place. Le cocher de Vladimir marchait de long en large devant le brancard, retenant leur impatience. Il aida la maîtresse et sa servante à monter et à placer dans le traîneau les baluchons et la cassette. Prit les rênes et les chevaux s'élancèrent. Remettant la demoiselle à son sort et aux ailes de Teriochka le cocher, tournons nous vers notre jeune amant. Vladimir avait passé toute la journée en démarches diverses. Le matin, il alla voir le prêtre de Jadrino et ne s'entendit avec lui qu'à grand'peine. Il s'en vint ensuite chercher des témoins parmi les châtelains voisins. Le premier chez qui il se présenta, Dravine, cornette quadragénaire en retraite, Consentit volontiers. Cette aventure, disait-il, lui rappelait le temps de jadis et les frasques des hussards. Il convainquit Vladimir de rester chez lui à dîner et lui assura qu'il serait aisé de trouver les deux autres témoins. En effet, tout de suite après le dîner se présentèrent deux personnes, l'arpenteur Schmitt, portant moustache et éperon, et le fils du capitaine de district, un garçon d'environ seize ans, incorporé depuis peu dans les houlanes. Non seulement ils acceptèrent la proposition de Vladimir, mais lui jurèrent qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour lui. Vladimir les étreignit avec transport et rentra chez lui pour achever ses préparatifs. Le crépuscule était déjà tombé depuis longtemps. Il envoya son fidèle Teryoshka à Nenaradovo avec sa Troïka, l'ayant muni d'instructions détaillées et précises, et fit atteler pour soi-même le petit traîneau à un cheval sur lequel il partit seul à Jadrino là où devrait aussi se rendre dans deux heures Maria Gavrilovna. Le chemin lui était connu et il n'y avait que vingt minutes de route. Mais, à peine Vladimir se trouva t-il hors de chez lui, au milieu des champs, que le vent se leva et une telle tempête se fit qu'il ne vit plus rien alentour. En un instant la route fut recouverte de neige. Le paysage environnant sombra dans un brouillard trouble et jaunâtre, à travers lequel ne perçaient que des flocons de neige, le ciel se confondit avec la terre. Vladimir se retrouva en plein champ et cherchait en vain à rejoindre la route. Le cheval marchait au hasard, tantôt montant sur un tas de neige, tantôt trébuchant dans un fossé. Le traîneau versait à chaque instant. Vladimir s'efforçait seulement de ne pas perdre la direction qu'il suivait. Il lui semblait pourtant que plus d'une demi heure s'était écoulée sans qu'il eût atteint le bois de Jadrino. Près de dix minutes passèrent encore, il ne voyait toujours pas le bois. Vladimir traversait un champ jalonné de profonds ravins. La tempête continuait de faire rage, le ciel ne s'éclaircissait pas. Le cheval commençait à être fourbu, et Vladimir lui même ruisselait de sueur, bien qu'il fût à chaque instant dans la neige jusqu'à mi-corps. Enfin, Vladimir vit qu'il allait du mauvais côté. Il s'arrêta, se mit à réfléchir, rassembla ses souvenirs, raisonna et se persuada qu'il aurait dû obliquer à droite. Son cheval n'en pouvait plus. Il était parti depuis plus d'une heure. Jadrino devait être proche, mais il avançait toujours et le champ n'en finissait pas. Rien qu'amoncellement de neige et ravin. Le traîneau versait. Il devait le redresser sans cesse. Le temps filait. Vladimir commençait à s'inquiéter fortement. Une masse noire commença enfin à se profiler au loin. Vladimir se dirigea de ce côté. En approchant, il vit un bois. Dieu soit loué, pensa-t-il, je ne suis plus très loin. Il longea le bois dans l'espoir de retomber aussitôt sur la route qu'il connaissait ou de le contourner. Jadrino se trouvait immédiatement derrière. Bientôt il retrouva la route et entra dans l'ombre des arbres dénudés par l'hiver. Ici, le vent ne pouvait pas se déchaîner. Le chemin était lisse le cheval se ragaillardit et vladimir se calma cependant il continuait d'avancer mais ne voyait toujours pas jaderino le bois n'en finissait pas vladimir comprit avec terreur qu'il s'était fourvoyé dans une forêt inconnue il cravacha son cheval la pauvre bête voulut se mettre au trot puis exténué reprit le pas au bout d'un quart d'heure en dépit des efforts de l'infortuné vladimir peu à peu les arbres s'espacèrent et Vladimir sortit de la forêt. On ne voyait toujours pas Jardino. Il devait être près de minuit. Les larmes jaillirent de ses yeux. Il fit alors route au hasard, et le temps se fit plus calme. Les nuages se dissipèrent, une plaine couverte d'ondes blanches s'étendit devant les yeux à perte de vue. La nuit était assez claire. Vladimir vit à quelque distance devant lui un hameau de quatre ou cinq foyers. Il s'y dirigea. Arrivé à la première chaumière, il sauta du traîneau, courut à la fenêtre et frappa au volet. Au bout de quelques minutes, le volet de bois se souleva et un vieillard sortit sa barbe blanche. De quoi que tu as besoin Est-ce que Jadrino est loin d'ici Si Jadrino est loin Oui, oui, est-ce loin Pas très loin, une dizaine de verstes. À cette réponse, Vladimir se saisit la tête et demeura immobile comme un homme condamné à mort. D'où c'est que tu viens? continua le vieillard. Vladimir n'avait pas le cœur à répondre aux questions. Vieil homme, demanda-t-il, peux-tu me procurer des chevaux pour aller jusqu'à Jadrino? Eh, quels chevaux veux-tu que nous ayons? fit le vieillard. Puis-je au moins emmener un guide? Je payerai ce qu'il voudra. Attends. Fit le vieillard en abaissant le volet. Je vais t'envoyer mon fiston, qui t'y conduise. Vladimir attendit. Au bout d'une minute à peine, il frappait à nouveau. Le volet se leva, la barbe parut. C'est quoi que tu veux Eh bien, où est ton fils Il arrive, il se chausse. C'est que tu dois avoir froid. Entre te chauffer. Je te remercie. Envoie vite ton fils. Le portail grinça un gars sortit avec un gourdin et marcha devant Vladimir, tantôt montrant, tantôt cherchant la route ensevelie par la neige. Quelle heure est il? lui demanda Vladimir. Ce sera bientôt le jour, répondit le jeune paysan. Vladimir ne dit plus mot. Les coques chantaient, et il faisait déjà clair lorsqu'ils atteignirent Jadrino. L'église était fermée. Vladimir paya son guide et alla chez le prêtre. Sa Troïka n'était pas dans la cour. Quelle nouvelle l'attendait! Mais revenons au bon châtelain de Nenaradovo et voyons ce qui peut bien se passer chez eux. Eh bien, rien. Les vieux parents sortirent au salon après leur réveil, Gravila Gravilovitch dans un bonnet de nuit et une veste d'intérieur en flanelle, Praskovia Petrovna dans une robe de chambre ouatée. On apporta le samovar, et Gavrila Gavrilovitch envoya une fille s'enquérir de la santé et du bon sommeil de Maria Gavrilovna. La fille revint en disant que la demoiselle avait fort mal dormi, mais qu'elle se sentait mieux maintenant et qu'elle allait descendre. En effet, la porte s'ouvrit et Maria Gavrilovna vint dire bonjour à son papa et à sa maman. Comment va ta tête, Macha? demanda Gavrila Petrovitch. Mieux, papa, répondit Macha. La cheminée aura fait de la fumée hier, Macha, dit Praskovia Petrovna. Cela se peut bien, maman, répondit Macha. La journée se passa tranquillement, mais à la tombée de la nuit, Macha se sentit mal. On envoya à la ville quérir un médecin. Il arriva tard le soir et trouva la malade en délire. Une forte fièvre s'était déclarée et la malheureuse fut durant deux semaines au bord de la tombe. Personne dans la maison ne savait rien de son projet de fuite. Les lettres qu'elle avait écrites la veille furent brûlées. Sa femme de chambre ne dit rien à personne, craignant lire de ses maîtres. Le prêtre, le cornet retraité, l'arpenteur moustachu et le petit houlan restaient discrets. Et pour cause. Terioshka, le cocher, ne parlait jamais de trop, même à vinet. Le secret était ainsi gardé par une demi-douzaine de conspirateurs. Mais Maria Gavrilovna, dans son incessant délire, trahissait elle-même son secret. Ses propos étaient pourtant si incohérents que sa mère, qui ne quittait pas son chevet, n'en pouvait comprendre qu'une chose que sa fille aimait Vladimir Nikolaïevitch à en mourir, et que son amour était vraisemblablement la cause de sa maladie. Elle délibéra avec son mari, prit conseil auprès de quelques voisins, et l'on parvint à l'unanimité à la conclusion que tel était à l'évidence le destin de Maria Gavrilovna, que l'homme propose et Dieu dispose, que pauvreté n'est pas vice, qu'on ne vit pas avec la fortune mais avec la personne, et ainsi de suite. Les proverbes moraux sont souvent éminemment utiles dans les cas où nous peinons à nous trouver une excuse nous-mêmes. Cependant, la demoiselle se remettait peu à peu. Depuis bien longtemps on n'avait plus vu Vladimir dans la maison de Gavrila Gavrilovitch. Il craignait l'accueil coutumier. On décida de l'envoyer chercher et de lui annoncer ce bonheur imprévu, le consentement au mariage. Mais quelle ne fut pas la stupeur des châtelains de Nenaradovo lorsqu'ils reçurent en réponse une lettre aberrante. Vladimir leur déclarait que jamais ils ne remettrait les pieds chez eux. Il les priait d'oublier le malheureux dont la mort était désormais la seule espérance. Quelques jours plus tard, ils apprirent que Vladimir était parti pour l'armée. C'était en 1812. Longtemps on osa annoncer cette nouvelle à Macha convalescente. Elle ne faisait jamais allusion à Vladimir, et ce fut au bout de quelques mois qu'elle vit son nom dans la liste de ceux qui s'étaient distingués et avaient été grièvement blessés à la bataille de Borodino. Elle s'évanouit. On craignit un retour de la fièvre. Mais grâce à Dieu, l'évanouissement n'eut pas de conséquences. Un autre malheur l'accabla. Gavrila Gavrilovitch mourut, la laissant héritière de tout le domaine. Mais l'héritage ne la consolait point. Elle partageait sincèrement le chagrin de la pauvre Praskovia Petrovna, jurait de ne jamais se séparer d'elle, et toutes les deux laissèrent Nenaradovo lieu aux tristes souvenirs pour s'installer dans leur domaine de haine. Là aussi, les prétendants s'empressaient autour de la charmante et riche demoiselle. Mais elle ne leur donnait pas le moindre espoir. Sa mère se pressait par moments de choisir un ami de cœur. Maria Gavrilovna secouait la tête et demeurait pensive. Vladimir n'existait plus. Il était mort à Moscou, la veille de l'entrée des Français dans la ville. Sa mémoire paraissait être sacrée pour Macha. Du moins, conservait-elle tout ce qui pouvait lui en rappeler le souvenir Les livres qu'il avait lus ses dessins, la musique et les vers qu'il avait copiés pour elle, et les voisins ayant appris tout cela, s'étonnaient de sa constance et attendaient intrigués le héros qui devait triompher enfin de la triste fidélité de cette vierge Artémise. La guerre s'acheva glorieusement. Nos troupes revenaient de l'étranger. Le peuple courait à leur rencontre et la musique jouait des chansons des pays conquis. Vive Henri IV, les valses tyroliennes et les airs de Joconde. Les officiers partis en campagne, encore adolescents, revenaient mûris par l'air des batailles et couverts de décorations. Les soldats causaient gaiement entre eux, parsemant leurs discours de mots allemands et français. Inoubliable époque. Tant de gloire et d'extase. Comme le cœur russe battait alors fortement au son de ce mot, patrie. Comme les larmes des retrouvailles étaient douces. Comme nous étions unanimes, et comme le sentiment de fierté nationale se joignait à notre amour pour le tsar, et pour lui, quels instants! Les femmes, les femmes russes, étaient alors incomparables. Leur froideur habituelle avait disparu. Leur exaltation était en vérité délicieuse, qu'en saluant les vainqueurs, elles criaient Hurrah! Et leurs bonnets volaient en l'air. Qui des officiers de ce temps N'avouerait pas de voir à la femme russe sa meilleure et sa plus précieuse récompense. En cette époque glorieuse, Maria Gavrilovna vivait avec sa mère dans la province de Haine et ne pouvait voir comment les deux capitales fêtaient le retour des armées. Mais dans les districts et dans les villages, l'exaltation était peut-être encore plus grande. L'apparition d'un officier dans ces contrées était pour lui le gage d'un triomphe et le galant en habit civil faisait à côté piètre figure. Nous avions déjà dit qu'en dépit de sa froideur, Maria Gavrilovna était toujours entourée de prétendants. Mais tous durent battre en retraite lorsque parut au mur de son château Bourmine, colonel des hussards, blessé, la croix de Saint-Georges à la boutonnière, et affichant une pâleur intéressante, comme disaient les demoiselles de là-bas. Il avait environ vingt-six ans. Il était venu en congé dans son domaine, voisin du village de Maria Gavrilovna. Celle-ci le distingua tout particulièrement. Auprès de Bourmine, sa mélancolie habituelle s'animait. On ne saurait dire qu'elle usa avec lui de la coquetterie, mais le poète, devant son attitude, eût dit « C'est amor, non est que donc ?» Bourmine était en effet un jeune homme fort aimable. Il avait justement cette sorte d'esprit qui plaît aux femmes, l'esprit d'observation et d'à-propos, sans prétention, insouciant et moqueur. Ses manières avec Maria Gavrilovna étaient simples et libres. Mais quoi qu'elle pût dire ou faire, son âme et ses regards la suivaient sans relâche. Il paraissait être de mœurs douces et modestes. Mais la rumeur lui prêtait des frasques terribles dans le passé, et cela ne lui nuisait nullement dans l'opinion de Maria Gavrilovna, laquelle, comme d'ailleurs toutes les jeunes femmes en général, excusait avec plaisir les fredaines qui témoignent de l'audace et de l'ardeur d'un caractère. Mais plus que tout, plus que ses tendres manières, sa conversation agréable, son intéressante pâleur, son bras en écharpe, le silence du jeune hussard excitait sa curiosité et son imagination. Elle était bien forcée de reconnaître qu'elle lui plaisait beaucoup. Sans doute avait-il remarqué lui aussi, avec son esprit et son expérience, qu'elle le distinguait. Comment se faisait-il qu'elle ne le vît toujours pas à ses pieds, qu'elle n'entendît pas sa déclaration Qu'est-ce qui le retenait la timidité, inséparable du vrai sentiment, la fierté ou la coquetterie d'un séducteur invétéré, ceci restait pour elle une énigme. Ayant longuement réfléchi, elle décida que seule la timidité était en cause, et se proposa de l'encourager par une attention marquée, voire, si les circonstances s'y prêtaient, par de la tendresse. Elle préparait le dénouement le plus inattendu et attendait avec impatience la minute de l'explication romanesque. Le mystère, quel qu'il soit, pèse toujours au cœur de la femme. Ces stratagèmes eurent l'effet désiré. Du moins, Bourmine devint si pensif, et ses yeux noirs brillaient d'une telle flamme en s'arrêtant sur Maria Gabrilovna que l'instant décisif semblait proche. Les voisins parlaient du mariage comme d'une chose décidée, et la bonne Praskovia Petrovna se réjouissait que sa fille eût enfin trouvé un fiancé digne d'elle. Un soir que la vieille dame était seule au salon, Occupée à une grande patience, Bourmine entra dans la pièce et s'enquit aussitôt de Maria Gavrilovna. Elle est dans le jardin, lui dit la vieille dame. Allez donc la trouver, je vous attendrai ici. Bourmine sortit dans le jardin, et la bonne vieille se signa en pensant. Espérons que ce sera fini aujourd'hui. Bourmine trouva Maria Gavrilovna près de l'étang, sous un saule, un livre à la main et vêtue de blanc, en véritable héroïne de son roman. Après ces premières phrases, Maria Gavrilovna laissa à dessein s'éteindre la conversation, augmentant ainsi la gêne réciproque que seule pouvait dissiper une déclaration soudaine et décisive. C'est ce qui arriva. Bourmine, sentant l'équivoque de sa situation, déclara qu'il cherchait depuis longtemps une occasion de lui ouvrir son cœur et lui demanda une minute d'attention. Maria Gavrilovna referma le livre et baissa les yeux en signe d'acquiescement. Je vous aime, dit Bourmine. Je vous aime passionnément. Maria Gavrilovna rougit et inclina plus bas la tête. J'ai agi bien imprudemment en me laissant aller à la douce habitude, celle de vous voir et de vous entendre chaque jour. Maria Gavrilovna se rappela la première lettre de Saint-Preux. Il est trop tard pour lutter contre ma destinée. Votre souvenir. Votre douce et incomparable image feront désormais le supplice et la consolation de ma vie. Mais il me reste à accomplir un pénible devoir, à vous avouer un terrible mystère, et mettre à jamais entre nous un obstacle insurmontable. Il a toujours existé, l'interrompit vivement Maria Gavrilovna. Jamais je n'eusse pu vous épouser. Je le sais, répondit-il doucement. Je sais que vous avez aimé. Mais la mort et trois années de deuil, ma bonne, ma douce Maria Gabrilovna, ne tentez pas de me priver de ma dernière consolation, la pensée que vous eussiez consenti à faire mon bonheur, si seulement... Ne dites rien, de grâce, ne dites rien, vous me mettez au supplice. Je le sais, je le sens, vous eussiez été mienne, mais je suis le plus malheureux des hommes. Je suis marié. Maria Gavrilovna le regarda avec étonnement. Je suis marié, poursuivit Bourmine. Je suis marié depuis quatre ans, et j'ignore qui est ma femme, où elle se trouve, et si je la reverrai jamais. Que dites-vous? s'écria Maria Gavrilovna. Comme c'est étrange. Poursuivez, je vous raconterai ensuite. Mais continuez, je vous en prie. Au début de l'année 1812, dit Bourmine, je me rendais en hâte à Wilno, où se trouvait notre régiment. Un soir, j'arrivais fort tard au relais. J'ordonnais de faire atteler les chevaux au plus vite, mais soudain une tempête de neige se leva. Le maître de poste et les postillons me conseillaient d'attendre. Je suivis leur conseil, mais fus saisi d'une inquiétude inexplicable. Il me semblait que quelqu'un m'aiguillonnait. La bourrasque continuait. Je n'y tins plus, ordonnai de nouveau d'atteler et partis au plus fort de la tempête. Le cocher se mit en tête de passer par la rivière, ce qui devait nous faire gagner trois verstes. Les rives étaient enneigées. Le cocher dépassa l'endroit où l'on rejoignait la route, et nous nous retrouvâmes ainsi dans un endroit inconnu. La tempête faisait rage. J'aperçus une lueur et dis au cocher de se diriger vers elle. Nous entrâmes dans un village. Dans l'église de bois, il y avait de la lumière. L'église était ouverte. Plusieurs traîneaux se trouvaient derrière l'enceinte. Des gens circulaient sur le parvis. Par ici, par ici, crièrent plusieurs voix. J'ordonnais au cocher de s'approcher. De grâce, veux tu me dire où tu étais? me dit quelqu'un. La fiancée se pâme. Le prêtre ne sait que faire. Nous nous préparions à repartir. Descends donc et vite. Je sautai hors du traîneau sans maudire, et entrai dans l'église qu'éclairait faiblement deux ou trois cierges. Une jeune fille était assise dans un coin sombre sur un banc, une autre lui frottait les tempes. Dieu soit loué. Dit celle-ci. Vous êtes enfin là. Pour un peu, c'en était fait de mademoiselle. Le vieux prêtre s'avança vers moi pour me demander s'il pouvait commencer. Faites, mon père, faites, répondis-je étourdiment. On fit lever la jeune fille, elle me parut assez jolie. Incompréhensible, impardonnable légèreté. Je me mis à côté d'elle, face au lutrin. Le prêtre se hâtait. Trois hommes et une servante soutenaient la fiancée et ne s'occupaient que d'elle on nous donna le sacrement embrassez-vous nous dit-on ma femme tourna vers moi son visage pâli je voulus l'embrasser elle s'écria ah ce n'est pas lui ce n'est pas lui et tomba évanouie les témoins tournèrent vers moi leurs regards effarés je fis volte-face sortis de l'église sans qu'on cherchât à me retenir sautai dans la voiture et criai au cocher file grand dieu s'écria Maria Gavrilovna. Et vous ne savez pas ce qu'il advint de votre pauvre femme Je l'ignore, répondit Bourmine. J'ignore le nom du village où l'on me maria. Je ne me rappelle plus le nom du relais d'où je suis parti. J'attachais à cette époque si peu d'importance à ma coupable plaisanterie qu'à peine eus-je quitté l'église, que je m'endormis et me réveillai le lendemain matin trois relais plus loin. Le valet qui m'accompagnait alors est mort pendant la campagne de sorte que je n'ai pas même l'espoir de retrouver celle à qui j'ai joué un tour si cruel et qui est maintenant si cruellement vengée grand dieu grand dieu dit maria gavrilovna en saisissant sa main c'était donc vous et vous ne me reconnaissez point bourmine blêmit et tomba à ses pieds le marchand de cercueils Cercueil que nous voyons chaque jour. Les cheveux blancs d'un monde caduque. Terre Javine. Les derniers effets du marchand de cercueil Adrien Prokhorov furent entassés sur le corbillard. Et les deux rosses se traînèrent pour la quatrième fois de Basmanaya à Nikitskaya où le marchand de cercueil emménageait avec toute sa maisonnée. Ayant fermé à clé sa boutique, il cloua au portail une pancarte annonçant que la maison était à vendre ou à louer, et se dirigea à pied vers sa nouvelle demeure. En approchant de la maison au mur jaune qui depuis longtemps déjà attisait sa convoitise, et qu'il venait d'acquérir pour une somme rondelette, le vieux marchand se rendait compte avec étonnement qu'au fond de son cœur, il ne s'en réjouissait guère. Ayant franchi ce seuil peu familier et constaté le désarroi qui régnait dans son nouveau logis, il soupira après l'ancien taudis où dix-huit ans durant, tout avait été réglé de la manière la plus stricte. Il tensa ses filles et la servante pour leur lenteur, et entreprit lui-même de les aider. Bientôt l'ordre fut rétabli. L'armoire avec les icônes, le buffet à vaisselle, la table, le divan et le lit occupèrent chacun le coin qui leur était destiné dans la pièce du fond. Dans la cuisine et au salon, on plaça les œuvres du maître de maison des cercueils de toutes les couleurs et de toutes les tailles, ainsi que des bonnetières contenant chapeaux, manteaux et flambeaux pour les processions mortuaires. Au-dessus de la porte cochère, on hissa l'enseigne figurant un amour dodu avec un flambeau renversé à la main et l'inscription suivante. « Ici, l'on vend et l'on garnit des cercueils naturels ou peints, on loue et on répare les cercueils usagés. » Les filles se retirèrent dans leur chambre. Adrien fit le tour de sa demeure, s'assit à la fenêtre et fit préparer le Samovar. Le lecteur éclairé sait que Shakespeare et Walter Scott présentaient tous les deux leurs fossoyeurs comme gays et facétieux, afin de frapper plus fortement notre esprit par ce contraste. Par respect de la vérité, nous ne pouvons suivre leur exemple et sommes contraints d'admettre que le caractère de notre marchand de cercueil correspondait tout à fait à sa macabre profession. Adrien Prokhorov était habituellement taciturne et pensif. S'il lui arrivait jamais de rompre le silence, c'était pour admonester ses filles quand il les surprenait assises sans rien faire à leur fenêtre, à regarder les passants, ou bien pour demander un prix exagéré de ses ouvrages à ceux qui avaient la mauvaise, ou parfois la bonne, fortune d'en avoir besoin. Ainsi donc, Adrien, assis à côté de la fenêtre et buvant la septième tasse de thé, était selon son habitude plongé dans de sombres réflexions. Il songeait à la pluie torrentielle qui, une semaine auparavant, avait accueilli aux portes de la ville le cortège funèbre d'un brigadier à la retraite. Une bonne partie des manteaux se trouvait rétrécis, beaucoup de chapeaux gondolés, et il prévoyait des dépenses incontournables car sa vieille réserve de vêtements funéraires était maintenant presque toute en piteux état. Il espérait se rattraper sur la vieille marchande Triouchkina qui agonisait depuis près d'un an. Mais Triushkina se mourait à Rasgouliaï et Prokhorov craignait que ses héritiers, dissuadés par la longue route, ne fissent affaire, malgré leurs promesses, avec l'entrepreneur le plus proche. Ses réflexions furent interrompues par trois coups maçonniques inattendus qu'on frappa à la porte d'entrée. « Qui est là ?» demanda le marchand. La porte s'ouvrit et un homme en qui l'on pouvait du premier coup d'œil reconnaître un artisan allemand entra dans la pièce et s'approcha du marchand de cercueil avec un air enjoué. Excusez moi, cher voisin, dit il avec cet accent que nous ne pouvons encore aujourd'hui entendre sans rire. Excusez moi de vous déranger. J'avais hâte de faire votre connaissance. Je suis cordonnier. Je me prénomme Gottlieb Schulz. J'habite de l'autre côté de la rue dans cette petite maison en face de vos fenêtres. Je fais demain mes noces d'argent et vous convie, vous-même et vos filles, à dîner chez moi en toute amitié. Cette invitation fut acceptée de bonne grâce. Le marchand de cercueils pria le cordonnier de s'asseoir et de bien vouloir prendre une tasse de thé. Et bientôt, grâce à la nature ouverte de Gottlieb Schulz, ils conversaient en bons amis. Comment vont les affaires, aimable voisin? demanda Adrien. Eh, hé, eh, comme si, comme ça, répondit Schulz. Je ne me plains pas. Bien sûr, votre marchandise l'emporte sur la mienne. Un fifant peut bien se passer de bottes, mais un mort ne peut vivre sans cercueil. C'est la vérité vraie, répondit Adrien. Pourtant, un vivant qui n'a pas de quoi se payer des bottes, eh bien, ne vous en déplaise, il va pieds nus, et un mort sans le sou aura son cercueil sans payer. Leur entretien se prolongea ainsi quelque temps. Enfin, le cordonnier se leva et prit congé du marchand de cercueils, lui ayant renouvelé son invitation. Le lendemain, midi sonnant, le marchand de cercueils et ses filles sortirent par le portillon de leur maison nouvellement acquise et s'en furent chez leurs voisins. J'éviterai de décrire le cafetan russe d'Adrien Prokhorov et les toilettes européennes d'Akulina et de Daria, dérogeant ici à l'habitude de nos romanciers contemporains. Il ne serait pourtant pas superflu de noter que les jeunes filles avaient mis des bonnets jaunes et des souliers rouges, ce qui ne leur arrivait que dans des circonstances solennelles. Le logement exigu du cordonnier était rempli d'invités, pour la plupart des artisans allemands accompagnés de leurs femmes et de leurs apprentis. En fait, de fonctionnaires russes, il n'y avait que le finnois Yurko, un sergent de ville qui, malgré son modeste grade, avait su gagner la bienveillance marquée du maître de maison. Il avait servi à son poste depuis bien 25 ans, fidèlement et loyalement, comme le postillon de Pogorelski, lorsque l'incendie de l'Andouze, qui détruisit la capitale originelle, anéantit par la même occasion sa guérite jaune. Mais aussitôt après qu'on eut chassé l'ennemi, une petite guérite grise apparut à la place de la précédente, affublée de petites colonnes noriques blanches, et Yurko reprit sa faction devant elle, la hache au point et en cuirasse de drap. La plupart des Allemands qui habitaient du côté de la porte Nikitskaya connaissaient Yurko. Il arrivait même à certains de passer sous sa bonne garde la nuit du dimanche au lundi. Adrien s'empressa de lier connaissance avec lui comme avec un homme dont tôt ou tard on pouvait avoir besoin. Et lorsque les convives passèrent à table, il s'assit à côté de lui. Monsieur et madame Schulz, ainsi que leur fille Lotchen, âgée de 17 ans, tout en dînant avec les invités, leur faisait les honneurs de la table et aidait la cuisinière à servir. La bière coulait à flot. Yurko mangeait comme quatre. Adrien ne lui cédait en rien. Ses filles faisaient les mijaurées. La conversation en allemand devenait plus bruyante d'heure en heure. Soudain, l'hôte demanda l'attention générale. Et débouchant une bouteille cachetée, il dit en russe à haute voix. À la santé de ma bonne Louise. On versa le vin mousseux. Le maître de maison posa tendrement ses lèvres sur le frais visage de sa compagne quadragénaire, et les convives burent bruyamment à la santé de la bonne Louise. À la santé de mes aimables invités, proclama l'hôte en débouchant une seconde bouteille, et les convives de le remercier en vidant à nouveau leur verre. Dès lors, les toasts s'enchaînèrent. On buvait à la santé de tous les corps de métier en général, puis à chaque corporation en particulier, on buvait à la santé des maîtres, puis à celle des apprentis. Adrien buvait assidûment et devint si gai qu'il proposa lui-même quelques toasts de badin. Tout à coup, un des convives, un gros boulanger, leva son verre et s'écria. À la santé de ceux pour qui nous travaillons. Cette proposition, comme toutes les autres, fut acceptée unanimement et avec joie. Les convives se mirent à se saluer les uns les autres. Le tailleur salua le cordonnier, le cordonnier le tailleur. Le boulanger les salua tous les deux, chacun salua le boulanger, et ainsi de suite. Yurko, au milieu de ces salutations réciproques, cria en se tournant vers son voisin. Eh bien, mon bon père, il faut que tu boives à la santé de tes morts. Tout le monde rit, mais le marchand de cercueil se sentit lésé et se renfrogna. Personne n'y prêta attention. Les convives continuèrent à boire et les vêpres sonnaient déjà lorsque l'on se leva de table. Les invités se séparèrent tard et bien éméchés pour la plupart. Le gros boulanger et le relieur, dont le visage semblait une reliure de rouge marocain, prirent Yurko par les bras et le ramenèrent à sa guérite, honorant par là le proverbe Ce qui est bon à prendre est bon à rendre. Le marchand de cercueils rentra à la maison ivre et aigri. En voilà une affaire disait-il tout haut, en quoi mon métier est-il moins honnête que les leurs Le marchand de cercueil est-il pareil au bourreau De quoi rit-il, ces hérétiques Un marchand de cercueil est-il un bouffon de Noël Moi qui me proposais de les inviter à pendre la crémaillère et de leur offrir un festin de roi. Eh bien, je n'en ferai rien. J'aime mieux convier ceux pour qui je travaille, mes défunts orthodoxes. Allez donc, mon bon monsieur, vous divaguez lui dit la servante qui était en train de le déchausser, faites vite le signe de croix. Conviez des morts à pendre la crémaillère. Quelle horreur Ma foi, je le ferai, continua Adrien, et pas plus tard que demain. Soyez les bienvenus dans ma maison, mes bienfaiteurs, et venez demain soir festoyer chez moi. Je vous régalerai de ce que Dieu voudra bien m'envoyer. Sur ces mots, le marchand de cercueil gagna son lit, où bientôt il se mit à ronfler. Il faisait encore noir dehors lorsque Adrien fut réveillé. La marchande Triouchkina était morte dans la nuit, et un courrier à cheval avait été envoyé par son commis pour avertir Adrien de cette nouvelle. Le marchand de cercueil lui donna dix kopecks de pourboire pour sa peine, se vêtit à la hâte, prit une voiture et alla à Rasgouliaï. La police stationnait déjà à la porte de la défunte, et des marchands arpentaient la rue devant sa maison, comme des corbeaux qui ont senti l'odeur du cadavre. La défunte était étendue sur la table, jaune comme la cire, mais non encore défigurée par le pourrissement. Parents, voisins et domestiques se pressaient autour d'elle. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Des cierges brûlaient, des prêtres lisaient les prières. Adrien s'approcha du neveu de Triochkina, un jeune marchand prétentieux qui portait une redingote à la mode, et lui annonça que le cercueil, les cierges, le drap mortuaire et les autres attributs funéraires lui serait livré sans délai et dans le meilleur état. L'héritier le remercia distraitement, disant qu'il ne marchanderait pas sur le prix et qu'il s'en remettait entièrement à la conscience d'Adrien. Le marchand de cercueils jura, selon son habitude, qu'il ne prendrait pas un sou de trop, échangea un regard chargé de signification avec le commis et partit faire les démarches nécessaires. Il passa tout le jour à courir entre Raskouliaï et la porte Nikitskaya. Vers le soir, il avait tout arrangé. Et laissant partir le fiacre, revint chez lui à pied. C'était le clair de lune. Le marchand de cercueils atteignit sans aventure la porte Nikitskaya. Près de l'église de l'Ascension, il fut ailé par notre bon Yurko qui, l'ayant reconnu, lui souhaitait une bonne nuit. Il était tard. Le marchand de cercueils était déjà en vue de sa maison lorsqu'il lui sembla voir quelqu'un s'approcher de sa porte cochère, ouvrir le portillon et disparaître à l'intérieur. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Pensa Adrien. Qui a encore besoin de moi Et si c'était un voleur Où est-ce que mes nigots de filles ont des amants Il ne manquerait plus que ça. Et le marchand de cercueil s'apprêtait déjà à appeler son ami Yurko à la rescousse. À cet instant, quelqu'un d'autre s'approcha du portillon, mais voyant le maître du logis qui accourait, s'arrêta et souleva son tricorne. Le visage sembla familier à Adrien mais dans la précipitation, il n'eut pas le temps de l'examiner de près. Vous voulez me faire l'honneur de votre visite dit Adrien tout essoufflé. Entrez donc, je vous en prie. Point de cérémonie, mon bon, répondit son interlocuteur d'une voix cave. Passe devant, montre le chemin à tes hôtes. Adrien n'avait d'ailleurs point le temps pour les cérémonies. Le portillon était ouvert, il monta l'escalier, l'autre le suivit. Adrien crut entendre des gens marcher dans son appartement. Qu'est-ce que cette diablerie? pensa-t-il, et il se hâta d'entrer. Mais il chancela. La pièce était pleine de morts. La lune à travers les fenêtres éclairait leurs faces jaunes et bleues, les bouches ravalées, les yeux troubles et mi-clos, les nez camards. Adrien reconnut en eux avec terreur tous ceux mis en bière par ses soins. Le dernier venu, entré avec lui, était le brigadier enterré durant la verse. Tous, dames et messieurs, Entourèrent le marchand de cercueils, le saluant et le complimentant à l'exception d'un pauvre air, enterré gratuitement peu de temps auparavant, qui, par scrupule et honteux de ses guenilles, restait humblement à l'écart sans s'approcher. Tous les autres étaient vêtus fort convenablement. Les défuntes en bonnet et ruban, les défunts gradés en uniforme, mais à la barbe mal rasée, les marchands en cafetant de fête. Vois-tu, Prokhorov, dit le brigadier en parlant au nom de toute l'honorable assemblée. Tous, nous nous sommes levés à ton invitation. Seuls sont restés à la maison les plus impotents, ceux qui tombent en poussière et ceux qui n'ont plus que les os sans peau. Mais même parmi ceux-là, il y en a un qui n'a pas résisté à l'envie de venir te voir. À cet instant, un petit squelette se faufila à travers la foule et s'approcha d'Adrien. Son crâne souriait affectueusement au marchand de cercueil. Des lambeaux de tissu vert clair et rouge et des loques de vieille toile pendaient ça et là sur lui comme une perche, et les tibias battaient dans ses grosses bottes comme des pilons dans des mortiers. Tu ne me reconnais pas, Prokhorov? dit le squelette. Te rappelles-tu le sergent de la garde à la retraite, Piotr Petrovitch Kourilkin, celui-là même à qui, en 1799, tu vendis ton premier cercueil en faisant passer un cercueil de pain pour du chêne? Sur ce, le mort lui ouvrit ses bras osseux, mais Adrien, rassemblant ses forces, se mit à crier et le repoussa. Piotr Petrovitch chancela et tomba en morceaux. Un murmure d'indignation se souleva parmi les morts. Tous prirent la défense de leurs camarades dont l'honneur était en jeu, et prirent Adrien à partie, l'injuriant et le menaçant à tel point que le pauvre hôte, à moitié écrasé et étourdi par leurs cris, perdit toute présence d'esprit, Tomba lui-même sur les restes du sergent de la garde et s'évanouit. Le soleil éclairait déjà depuis longtemps le lit sur lequel était couché le marchand de cercueils. Enfin, il ouvrit les yeux et vit devant lui la servante qui chauffait le samovar. Avec horreur, Adrien se rappela les événements de la veille. Triouchkina, le brigadier et le sergent Kourilkin se présentèrent à son esprit embrumé. Il attendait en silence que la servante entamât la conversation et lui annonça la suite de ses aventures nocturnes. « Voilà bien une grasse matinée, mon bon monsieur, Adrien Prokhorovitch, » dit Aksinia en lui tendant la robe de chambre. « Votre voisin le tailleur est passé vous voir, et le sergent du coin est passé en coup de vent pour vous avertir que c'est aujourd'hui la fête du commissaire. Mais vous dormiez de si bon cœur que nous n'avons pas voulu vous réveiller. Quelqu'un est-il venu de la part de la feu-triouchkina « Feu, Serait-elle morte ?»« Quelle gourde N'est-ce pas toi qui m'as aidé hier à préparer son enterrement ?»« Comment Mon bon monsieur, vous perdez la raison. Ou bien c'est le vin d'hier qui vous remonte à la tête. Quel enterrement Vous avez passé toute la journée d'hier à festoyer chez l'Allemand, et vous êtes rentré ivre. Vous vous êtes affalé sur votre lit et avez dormi jusqu'à cette heure. On a déjà sonné pour la messe. »« Pour de bon ?» Fit le marchand de cercueils réjoui. Pour sûr, répondit la servante. Eh bien, si c'est comme ça, donne-moi vite du thé et appelle mes filles. Le maître de poste. Par son grade, registrateur. Dans son relais, un dictateur. Prince Vyazemski. Qui n'a pas maudit les maîtres de poste? Qui ne s'est jamais querellé avec eux? Qui, dans un moment de fureur, n'a pas exigé d'eux le livre fatidique, pour y inscrire sa vaine plainte contre le mauvais traitement, la grossièreté et l'incurie Qui ne tient pas les maîtres de poste pour ennemis du genre humain, pareils aux huissiers d'autrefois, ou du moins aux légendaires brigands de Mourom Pourtant, soyons justes, tâchons de nous mettre à leur place et peut-être les jugerons nous avec davantage d'indulgence. Qu'est ce qu'un maître de poste? Un vrai martyr de quatorzième classe que son grade ne préserve que des coups, et encore pas toujours. Je me rapporte à la conscience de mes lecteurs. De quelle nature est le service de ce dictateur, comme l'appelle plaisamment le prince Vyazemsky? N'est ce pas une peine de galère? Nul répit, de jour comme de nuit, toute l'aigreur accumulée durant le fastidieux trajet, le voyageur la déverse sur le maître de poste. Le temps est-il déplaisant La route est-elle mauvaise Le cocher têtu ou les chevaux paresseux C'est le maître de poste qu'on blâme. En pénétrant dans son pauvre logis, l'hôte de passage le regarde en ennemi. C'est heureux si le postier parvient à se débarrasser rapidement de ce visiteur importun. Mais quand les chevaux manquent, mon Dieu quelles injures et quelles menaces s'abattent sur lui Qu'il pleuve ou qu'il neige, le postier court d'écurie en écurie, malgré la tempête et le gel féroce. Il se réfugie dans l'entrée pour fuir. Ne fût-ce qu'un instant, le voyageur irrité qu'il l'insulte et le houspille. Un général arrive. Le postier tremblant lui donne les deux dernières troïkas, y compris celles du courrier. Le général part sans lui dire merci. Cinq minutes plus tard... Des grelots se font entendre et c'est un courrier de cabinet qui lui jette sur la table sa feuille de route. Allons jusqu'au fond de ces choses et l'indignation fera place dans nos cœurs à la compassion la plus sincère. Quelques mois encore, pendant vingt ans, j'ai sillonné la Russie en toutes directions. J'en connais presque toutes les voies postales. J'ai connu plusieurs générations de postillons. Rares sont les postiers que je ne connaisse pas de visage. Rares sont ceux à qui je n'ai eu affaire. J'espère publier d'ici peu mes observations de voyage, dont la collection ne manque pas d'intérêt. En attendant, je me bornerai à dire que les maîtres de poste constituent un état que l'on présente à l'opinion publique sous le jour le plus faux. Ces maîtres de poste qui subissent maintes calomnies sont généralement des gens paisibles, serviables de nature, enclins à la sociabilité, sans prétention démesurée aux honneurs et point trop cupides. Leur conversation, que dédaignent d'ailleurs à tort messieurs les voyageurs est souvent source d'informations. Pour ce qui est de moi-même, j'avoue préférer leur discours à celui d'un fonctionnaire de sixième classe qui voyage pour raison de service. Il est aisé de deviner que je compte quelques amis dans la respectable corporation des maîtres de poste. De fait, le souvenir de l'un d'eux m'est précieux. Les circonstances nous avaient rapprochés jadis et c'est de lui que j'ai maintenant l'intention d'entretenir mes aimables lecteurs. En l'an 1816, au mois de mai, il m'arriva de traverser la province de. par une route aujourd'hui hors d'usage. J'étais alors bas en grade, je voyageais en voiture simple et je n'avais droit qu'à deux chevaux. Aussi les postiers me traitaient-ils sans égard et il me fallait souvent batailler pour obtenir ce que j'estimais être mon dû. Jeune et emporté, je m'indignais de la bassesse et de la lâcheté du postier lorsque ce dernier faisait atteler la Troïka qui m'était préparée à la calèche d'un personnage portant titre et grade. De même, il me fallut bien du temps pour m'habituer à ce qu'un larbin pointilleux me servît après les autres au dîner du gouverneur. L'un comme l'autre me paraît aujourd'hui être dans l'ordre des choses. Où en serions-nous en effet si au lieu de cette règle généralement pratique, tel grade, tel honneur, on en établissait une autre par exemple, à bel esprit, bel honneur. Que de disputes alors Et par qui les laquais commenceraient-ils au dîner mais je retourne à mon récit. Il avait fait chaud toute la journée. À trois verstes du relais d'eux, des gouttes de pluie commencèrent à tomber et au bout d'une minute, une pluie diluvienne me trempa jusqu'aux os. En arrivant au relais, mon premier souci fut de me changer. Le second de faire apporter du thé. Eh hey, Dounia! cria le postier. Mets le samovar à chauffer et va chercher la crème. À ces mots, une jeune fille d'une quatorzaine d'années sortit de derrière la cloison et courut dans l'entrée. Sa beauté me frappa. C'est ta fille demandai-je au postier. C'est ma fille, monsieur, répondit-il avec un air d'amour-propre satisfait. Elle est si sage, si agile, tout le portrait de sa défunte mère. Là-dessus, il entreprit de recopier ma feuille de route, et moi, pendant ce temps, j'examinais les images qui ornaient son logis modeste mais bien tenu. Elle représentait l'histoire de l'enfant prodigue. Sur la première, un vénérable vieillard, en robe de chambre et bonnet de nuit, laisse partir un adolescent agité, qui reçoit à la hâte la bénédiction du vieillard et une bourse pleine d'argent. Une autre peignait vivement la vie dissolue du jeune homme. Assis à une table, il est entouré de faux amis et de femmes impudiques. Sur la suivante, l'adolescent ruiné haillons et tricornes, garde les pourceaux et partage leur pitance. Son visage exprime une profonde tristesse et le repentir. La dernière représentait le retour du jeune homme vers son père. Le bon vieillard, dans la même robe de chambre et le même bonnet, se précipite à la rencontre de son fils. L'enfant prodigue s'est mis à genoux. En toile de fond, on voyait le cuisinier égorger un veau gras et le frère aîné interrogeait les serviteurs sur les raisons d'une telle joie. Sous chacune des images, je pus lire des vers appropriés en allemand. Tout ceci est resté jusqu'à ce jour dans ma mémoire, de même que les pots de balsamine, le lit au rideaux colorés et d'autres objets qui m'entouraient alors. Je revois, comme si j'y étais encore, le maître de maison, un homme d'une cinquantaine d'années, frais, et vigoureux et sa longue redingote verte. Avec trois médailles pendues à des rubans fanés. À peine eus-je le temps de payer le postillon qui m'avait amené que Dounia revint avec le samovar. La petite coquette avait au second coup d'œil remarqué l'impression qu'elle m'avait faite. Elle baissa ses grands yeux bleus et je me mis à causer avec elle. Elle me répondit sans aucune timidité, comme une jeune fille qui a l'usage du monde. J'offris à son père un verre de punch à Dounia. Je tendis une tasse de thé et nous causâmes tous trois comme si nous nous connaissions depuis toujours. Les chevaux étaient prêts depuis longtemps, mais je tardai à me séparer du postier et de sa fille. Enfin, je leur dis adieu. Le père me souhaita bon voyage et la fille m'accompagna jusqu'à la voiture. Dans l'entrée, je m'arrêtai et demandai à Dounia la permission de l'embrasser. Elle y consentit. Je puis compter bien des baisers. Depuis qu'à cela je m'occupe, mais aucun ne m'a laissé un souvenir si doux et si durable. Plusieurs années s'écoulèrent et les circonstances me ramenèrent sur cette même route, dans ces mêmes contrées. Je me rappelais la fille du vieux maître de poste et me réjouis à l'idée de la voir à nouveau. « Mais, pensais-je, le vieux postier aura peut-être été mis à la retraite. Dounia se sera sans doute mariée. La pensée m'effleura l'esprit que l'un comme l'autre aurait pu mourir. » Et c'est avec un triste pressentiment que j'approchai du relais de. Les chevaux s'arrêtèrent à la petite maison de poste. Entré dans la chambre, je reconnus aussitôt les images qui représentaient l'histoire de l'enfant prodigue. La table et le lit étaient à la même place, mais il n'y avait plus de fleurs aux fenêtres et tout montrait des signes de vétusté et de négligence. Le postier dormait, enveloppé dans sa pelisse. Mon arrivée le réveilla. Il se souleva, c'était bien Samson Virine. Mais comme il avait vieilli, pendant qu'il se préparait à recopier ma feuille de route, je contemplais ses cheveux blancs, les rides profondes de son visage mal rasé, son dos voûté, et je ne cessais de me demander comment trois ou quatre ans avaient pu changer un homme robuste en faible vieillard. M'as-tu reconnu? lui demandai-je. Nous sommes de vieilles connaissances. Cela se peut, répondit il d'un air morose. Il y a du passage. Bien des voyageurs arrivent et repartent. Comment se porte ta poursuivis-je. Le vieillard fronça les sourcils. Dieu sait, répondit-il. Elle se sera donc mariée? dis-je. Le vieillard feignit de ne pas avoir entendu ma question et continua de lire à voix basse ma feuille de route. Je laissai mon interrogatoire et demandai qu'on apportât du thé. Ma curiosité avait été intriguée et j'espérais que le punch délirait la langue de mon vieil ami. Je ne me trompais pas. Le vieux ne refusa pas le verre que je lui offris. Je remarquai que le rhum dissipa quelque peu sa morosité. Le second verre le rendit bavard. Il se souvint de moi, ou bien fit-il semblant de se souvenir, et j'appris de lui une histoire qui, à l'époque, m'intéressa et me toucha vivement. Ainsi, vous avez connu Madounia. Commença-t-il. Qui donc ne la connaissait pas Ah, Dounia Dounia Quelle fille c'était Chaque voyageur qui passe la complimente. Pas un seul pour la réprimander. Les dames lui faisaient des cadeaux. Celle-ci un mouchoir, telle autre des boucles d'oreilles. Les messieurs en voyage s'arrêtaient exprès sous prétexte de dîner ou de souper, mais en vérité pour pouvoir l'admirer plus longtemps. Un grand seigneur, si intraitable qu'il fût, S'apaisait en sa présence et me parlait avec bienveillance. Me croirez-vous, monsieur, il arrivait à des courriers, à des envoyés officiels de rester une bonne demi-heure à causer avec elle. La maison ne tenait que par elle. S'agissait-il de ranger, de cuisiner, elle trouvait le temps de tout faire. Et moi, vieille imbécile, je n'avais dieu que pour elle. Elle était toute ma joie. Ne l'ai-je pas aimée, Madounia Ne l'ai-je pas choyer, mon enfant N'avait-elle pas la meilleure vie qui soit Mais à quoi bon conjurer le malheur On n'évite pas son destin. Puis, il se mit à me conter en détail son chagrin. Trois ans plus tôt, par une soirée d'hiver, alors que le maître de poste lignait un nouveau registre et que sa fille cousait une nouvelle robe derrière la cloison, une Troïka arriva au relais et un voyageur vêtu d'un manteau militaire, emmitouflé dans un châle et coiffé d'un bonnet de circassien, entra, et demanda des chevaux. Tous les chevaux étaient pris. En entendant cela, le voyageur haussa le ton et leva sa cravache. Mais Dounia, habitué à de telles scènes, accourut et demanda aimablement au voyageur s'il ne désirait rien manger. L'apparition de Dounia produisit son effet habituel. La colère du voyageur s'apaisa. Il consentit à attendre le retour des chevaux et commanda le souper. Ayant enlevé son énorme bonnet, dont la fourrure était toute trempée, dénoué le châle et laissé tomber son manteau, le voyageur se révéla être un jeune hussard bien fait de sa personne, avec une fine moustache noire. Il prit place et commença à bavarder gaiement avec le maître de poste et sa fille. On apporta le souper. Entre temps, les chevaux arrivèrent et le postier ordonna qu'on les attela immédiatement à la calèche du voyageur, sans les faire manger. À son retour, il trouva le jeune homme allongé sur le banc, presque sans connaissance. Il avait ressenti un malaise, la tête lui faisait mal, il lui était impossible de partir. Que faire Le maître de poste lui céda son lit, et l'on décida, si le malade ne se remettait pas d'ici le lendemain, d'envoyer chercher un médecin à S. Le jour suivant, l'état du hussard empira. Son domestique s'en fut à cheval chercher un médecin en ville. Dounia lui banda la tête d'un mouchoir trempé dans du vinaigre et, prenant son ouvrage, s'assit à son chevet. En présence du postier, le malade poussait force soupir et ne disait presque rien. Il but pourtant deux tasses de café et, tout en geignant, demanda à dîner. Dounia ne le quittait pas. Il demandait incessamment à boire et Dounia lui tendait une tasse avec de la limonade qu'elle avait préparée. Le malade y trempait ses lèvres et chaque fois en rendant la tasse, ne manquait pas de serrer faiblement la main de Dunyushka, en signe de gratitude. À l'heure du dîner, le médecin arriva. Il prit le pouls du malade, s'entretint avec lui en allemand, déclara en russe qu'il n'avait besoin que de repos et qu'au bout de deux jours, il pourrait reprendre la route. Le hussard lui remit vingt-cinq roubles pour la visite et le retint à dîner. Le médecin accepta. Tous deux mangèrent de grand appétit, burent une bouteille de vin, et se séparèrent fort satisfaits l'un de l'autre. Encore une journée, et le hussard se remit tout à fait. Il était extraordinairement gai, plaisantait sans cesse, tantôt avec Dounia, tantôt avec le maître de poste. Il sifflotait des airs, bavardait avec les voyageurs de passage, recopiait leurs feuilles de route dans le registre. Le bon postier finit par le prendre en telle affection qu'au bout de deux jours, il eut de la peine à se séparer d'un autre si aimable. C'était un matin de dimanche. Dounia s'apprêtait pour la messe. On fit avancer la voiture du hussard, il prit congé du maître de poste et lui paya avec générosité le gîte et le couvert. Il prit aussi congé de Dounia et lui proposa de l'amener jusqu'à l'église qui se trouvait à la limite du village. Dounia demeurait perplexe. De quoi as-tu peur lui dit son père. Sa noblesse n'est pas un loup. Il ne te mangera pas. Va t'en faire un tour jusqu'à l'église. Dounia monta dans la voiture à côté du hussard. Le valet sauta sur le siège, le cocher siffla et les chevaux partirent au galop. Le pauvre postier ne comprenait pas comment il avait pu laisser lui-même sa Dounia monter dans la voiture du hussard. Quel aveuglement l'y avait poussé et où était alors sa raison? Une demi-heure ne s'était pas encore écoulée que l'angoisse étreignit son cœur et qu'il fut saisi d'inquiétude au point de perdre toute patience et d'aller lui-même à la messe. En arrivant à l'église, il vit que les paroissiens se dispersaient déjà peu à peu, mais ne trouva Dounia ni dans l'enceinte, ni sur le parvis. Il entra précipitamment dans l'église. Le prêtre quittait l'autel. le diacre éteignait les cierges, deux petites vieilles priaient encore dans un coin. Mais Dounia n'était pas là. Le pauvre père fit un effort sur lui-même et demanda au diacre si sa fille était venue à la messe. Le diacre répondit que non. Le maître de poste s'en retourna chez lui plus mort que vif. Un seul espoir lui restait. Que Dounia, dans l'insouciance de son jeune âge, eût décidé d'aller jusqu'au relais suivant où vivait sa marraine. Plongé dans une pénible angoisse, il attendait le retour de la Troïka dans laquelle il avait laissé partir sa fille. Le cocher tardait. Dans la soirée, il revint enfin, seul et ivre, porteur d'une nouvelle terrifiante. Descendu au relais suivant, Dounia a poursuivi sa route avec le hussard. Le vieillard ne put supporter son malheur. Il tomba malade et dut se coucher dans le lit même où était allongé la veille le jeune imposteur. Maintenant, le maître de poste, se remémorant toutes les circonstances, commençait à deviner que la maladie avait été feinte. Le malheureux fut pris d'une forte fièvre. On le transporta à S après lui avoir trouvé un remplaçant temporaire le même médecin qui était venu examiner le hussard le soigna. Il assura alors au maître de poste que le jeune homme avait été en parfaite santé et qu'il s'était alors douté de ses mauvaises intentions, mais n'en dit rien, redoutant sa cravache. L'allemand disait-il vrai ou souhaitait-il seulement se vanter de sa perspicacité? Son aveu ne consola nullement le pauvre malade. À peine remis de sa maladie, le postier supplia le directeur des postes de S de lui accorder un congé de deux mois, et sans dire un mot à personne de ses intentions, s'en vint à pied à la recherche de sa fille. Grâce à la feuille de route, il savait que le capitaine de cavalerie Minsky allait de Smolensk à Pétersbourg. Le cocher qui avait conduit Minsky raconta au postier que pendant tout le trajet, Dounia avait pleuré, bien qu'elle semblât être partie de son propre gré. Dieu sait, pensait le maître de poste, Peut-être réussirai-je à ramener à la maison ma petite brebis égarée. C'est avec cette idée en tête qu'il arriva à Pétersbourg, descendit dans les quartiers du régiment Ismailovski dans la maison d'un sous-officier à la retraite, son ancien camarade, et entama ses recherches. Il apprit bientôt que le capitaine Minsky se trouvait à Pétersbourg et vivait à l'hôtel des Moutes. Le postier résolut de se rendre chez lui. Tôt le matin, il se présenta dans l'antichambre de Minsky et pria d'annoncer à sa noblesse qu'un vieux soldat demandait à le voir. Son ordonnance, qui était en train de cirer une botte dans la bouchoir, déclara que monsieur dormait et qu'il ne recevrait personne avant onze heures. Le postier s'en alla et revint à l'ordite. Minsky, en robe de chambre et en calotte rouge, sortit l'accueillir lui-même. « Que te faut-il, mon bon ?» lui demanda-t-il. Le cœur du vieillard se mit à boudir. Les larmes lui montèrent aux yeux et il prononça seulement d'une voix tremblante, Votre noblesse, faites-moi cette grâce au nom de Dieu. Minsky lui jeta un regard rapide, rougit, le prit par la main, le fit entrer dans son cabinet et ferma la porte à clé derrière lui. Votre noblesse, continua le vieillard, ce qui est perdu est perdu. Rendez-moi au moins ma pauvre Dounia. Vous aurez assez joui d'elle. Ne ruinez pas sa vie inutilement. Ce qui est fait est fait, dit le jeune homme dans un embarras extrême. Je suis coupable envers toi et je suis prêt à te demander pardon. Mais ne pense pas que je puisse abandonner Dounia. Elle sera heureuse. Je t'en donne ma parole d'honneur. Qu'as-tu besoin d'elle? Elle, elle m'aime. Elle a perdu l'habitude de son ancienne condition. Ni toi ni elle n'oublieriez ce qui s'est passé. Sur ce, lui ayant fourri quelque chose dans la manche, Minsky ouvrit la porte et le postier, sans savoir comment, se retrouva dans la rue. Longtemps, il demeura immobile, puis au bout d'un moment, il aperçut dans le revers de sa manche des papiers enroulés. Il le sortit et déplia quelques assignats de dix et cinq roubles. Les larmes montèrent à nouveau à ses yeux, des larmes d'indignation. Il froissa les assignats, les jeta à terre, les frappa du talon et s'en alla. Ayant fait quelques pas, il s'arrêta, réfléchit, puis revint en arrière. Mais les Assignats n'y étaient plus. Un jeune homme bien habillé courut vers un fiacre en le voyant. Il monta à la hâte et cria au cocher « Filons !» Le maître de poste ne chercha pas à le poursuivre. Il avait décidé de rentrer chez lui, dans son relais, mais auparavant, il voulait revoir une dernière fois sa pauvre Dounia. Dans cette intention, il revint chez Minsky deux jours plus tard. Mais l'ordonnance lui répondit sévèrement que Monsieur ne recevait personne. Le pressa dehors de ses larges épaules et lui claqua la porte au nez. Le maître de poste demeura quelque temps sur le seuil, puis s'en alla. Ce même jour, dans la soirée, il longeait l'Itaïnaya après avoir fait célébrer un service à Notre-Dame des Affligés. Soudain, une élégante voiture passa en trombe devant lui et le postier reconnut Minsky. La voiture s'arrêta au perron d'une maison à trois étages et le hussard monta les marches quatre à quatre. Une heureuse idée traversa l'esprit du maître de poste. Il revint sur ses pas et, arrivé près du cocher, lui demanda À qui appartient ce cheval, ami Ce ne serait pas celui de Minsky. C'est le sien, répondit le cocher. Pourquoi donc Eh bien voilà, ton maître m'a ordonné de porter un billet à Sadounia, et moi, j'ai oublié où elle demeure. « C'est ici même, au second étage. Seulement, tu es en retard, mon brave, avec ton billet. Il est déjà lui-même chez elle. »« N'importe !» répliqua le maître de poste dans un inexprimable élan du cœur. « Merci du renseignement. Je ferai ce que j'ai à faire. » Sur ces mots, il monta l'escalier. La porte était fermée. Il sonna et quelques secondes s'écoulèrent avec une attente pénible. La clé grinça et on lui ouvrit. Est-ce ici que demeure Avdotya Samsonovna Elle demeure ici, répondit la jeune servante. Que veux-tu d'elle Sans répondre, le maître de poste s'avança dans la pièce. Sortez sortez lui cria la servante. Avdotia Samsonovna a du monde Mais le maître de poste continuait d'avancer sans prêter attention. Les deux premières pièces étaient sombres, et dans la troisième il y avait de la lumière. Il s'approcha de la porte grande ouverte et s'arrêta. Dans une chambre richement décorée, Minsky était assis, pensif, dans un fauteuil. Dounia, parée avec tout l'éclat de la mode, était assise sur un bras de son fauteuil, comme une cavalière sur sa selle anglaise. Elle regardait tendrement Minsky en enroulant ses boucles noires sur ses doigts étincelants. Pauvre postier. Jamais sa fille ne lui avait paru aussi belle. Il ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Qui est-ce demanda-t-elle sans lever la tête. Il se taisait toujours. N'obtenant pas de réponse, Dounia leva la tête et tomba sur le tapis avec un cri. Minski, épouvanté, se précipita pour la relever. Puis, voyant le vieux maître de poste sur le seuil, laissa Dounia et vint à lui tremblant de rage. Qu'est-ce que tu me veux dit-il en serrant les dents. Pourquoi me suis-tu partout en cachette Comme un brigand Tu veux donc m'égorger Va t'en d'ici. Et saisissant le vieillard au col d'une main puissante, il le poussa sur le palier. Le vieil homme rentra chez lui. Son camarade lui recommandait de porter plainte. Mais le maître de poste réfléchit quelque temps, puis se résigna. Il s'était décidé à renoncer. Deux jours après, il quitta Pétersbourg et revint à son relais où il reprit ses fonctions. Voici trois ans, conclut-il, que je vis sans Dounia, sans la moindre nouvelle d'elle. Est-elle encore en vie? Ou non, Dieu seul le sait. Tout peut arriver. Elle n'est ni la première ni la dernière à avoir été séduite par un débauché de passage. Il l'aura gardée quelque temps, puis l'aura laissée. Elles sont nombreuses à Pétersbourg, ces jeunes sottes. Aujourd'hui, elles sont parées de soie et de velours. Et demain, les voilà qui balaient la rue avec les derniers gueux. À songer que Dounia a peut-être fini de la sorte elle aussi, on pêche malgré soi en lui souhaitant d'être morte. Tel fut le récit de mon ami, le vieux maître de poste. Un récit maintes fois interrompu par les larmes qu'il essuyait de façon pittoresque avec le pan de son habit, comme le zélé Terentich dans la belle balade de Dmitriev. Ces larmes étaient en partie dues au punch dont il avait bu cinq bons verres au cours de sa narration. Mais quoi qu'il en fût, elles touchèrent profondément mon cœur. Longtemps après l'avoir quitté, je ne parvenais pas à oublier le vieux maître de poste, et longtemps je songeais à la pauvre Dounia. Dernièrement encore, en passant par, je me rappelais mon ami. J'appris que le relais qu'il administrait avait été supprimé. À ma question, le vieux maître de poste est-il encore vivant? Personne ne put donner de réponse satisfaisante. Je décidai alors d'aller revoir ces lieux que j'avais connus. Je louai des chevaux, et je partis pour le village de c'était à l'automne. De petits nuages gris couvraient le ciel. Un vent froid venait des champs moissonnés, emportant avec lui les feuilles jaunes et rouges des arbres environnants. Au coucher du soleil, j'arrivais dans le village et je m'arrêtais devant le relais. Dans l'entrée, celle-là même où m'avait jadis embrassé la pauvre Dounia, je trouvais une grosse paysanne. Elle répondit à mes questions que le vieux postier était mort depuis bien un an, qu'un brasseur s'était établi dans son ancienne maison, et qu'elle en était sa femme. Je regrettais mon voyage inutile et sept troubles dépensés en vain. De quoi est-il mort demandai-je à la femme du brasseur. Il buvait, il buvait, mon bon monsieur, me répondit-elle. Et où l'a-t-on enterré En dehors du village, près de sa défunte compagne. Pourrait-on me montrer sa tombe Pourquoi non Eh hey, Vanka Tu as assez joué avec ce chat Accompagne plutôt le barine au cimetière et montre-lui la tombe du postier. À ces mots, un gamin déguenillé, borgne et roux, accourut près de moi et me mena au cimetière. Connaissais-tu le défunt? lui demandai-je en chemin. Sûr que je connaissais. Il m'avait appris à tailler des pipeaux. Souvent, paix à son âme. Il revenait de l'assommoir et nous lui courions après. Grand-père, grand-père, donne-nous des noisettes. Et il nous donnait des noisettes. Il passait bien du temps à s'occuper de nous. Et les voyageurs, se souviennent-ils de lui Il n'y a pas beaucoup de voyageurs ces temps-ci. Il arrive à l'assesseur de venir ici, mais il n'a pas de temps pour les morts. Cet été, une dame est passée par ici. Celle-là a cherché après le vieux maître de poste et elle est allée sur sa tombe. Quelle dame demandai-je intrigué. Une très belle dame, répondit le gamin. Elle avait un carrosse à six chevaux. Avec trois petits barines, une nourrice et un carlin noir. Et dès qu'on lui a dit que le vieux maître de poste était mort, elle a fondu en larmes et a dit à ses enfants Restez ici et soyez sages pendant que je vais au cimetière. Je lui ai proposé de l'y mener, et la dame m'a dit Je connais moi-même le chemin. Elle m'a donné une pièce d'argent de cinq kopeks. C'était une très bonne dame. Nous arrivâmes au cimetière, un endroit nu. Sans clôture, parsemée de croix de bois que nul arbre n'embrageait. De ma vie, je n'avais vu de cimetière aussi triste. « Voici la tombe du vieux postier, » me dit le garçon en sautant sur le tas de sable dans lequel était plantée une croix noire avec une icône de cuivre. « Et cette dame est venue ici » demandai-je. « Oui, » répondit Vanka. « Je l'ai observée de loin. Elle s'est couchée ici et elle est restée longtemps couchée. » Puis la dame est retournée au village, elle a fait venir le prêtre, lui a donné de l'argent et elle est repartie. Et à moi, elle a donné cinq copecs d'argent. Une gentille dame. Moi aussi, je donnais au gamin cinq copecs et ne regrettais plus ni ce voyage, ni les sept roubles que j'avais dépensés. La demoiselle paysanne Dans tous tes vêtements, mon âme, tu es belle. Bogdanovitch. Dans l'une de nos provinces reculées se trouvait le domaine d'Ivan Petrovitch Berestov. Jeune, il avait servi dans la garde. Au commencement de l'année 1797, il démissionna et s'installa sur ses terres, qu'il ne quittait plus. Il avait été marié à une demoiselle de famille noble, mais appauvrie, qui mourut en couche alors qu'il se trouvait dans un champ éloigné. Les occupations domestiques eurent vite fait de le consoler. Il fit bâtir une maison d'après ses propres plans, construisit une fabrique de draps, tripla ses revenus et se considéra dès lors comme l'homme le plus intelligent de toute la région. Les voisins qui venaient séjourner chez lui avec leurs familles et leurs chiens se gardaient bien de le contredire. Les jours de semaine, il allait vêtu d'une blouse de velours. Les jours de fête, il endossait une redingote de drap tissé dans ses propres ateliers. Il tenait lui-même ses comptes et ne lisait rien à part la gazette du Sénat. On l'aimait bien, encore qu'on le tînt pour orgueilleux. Le seul à ne pas s'entendre avec lui était Grigori Ivanovitch Muromsky, son plus proche voisin. Celui-là était un véritable seigneur russe. Ayant dilapidé à Moscou la majeure partie de ses biens et devenu veuf à la même époque, il était venu habiter le dernier domaine qu'il possédait encore, où il se lança dans des fantaisies d'un autre genre. Il fit planter un jardin à l'anglaise qui engloutissait presque l'intégralité de ses revenus. Il fit habiller ses palefreniers en jockey anglais, sa fille avait une gouvernante anglaise, et il faisait labourer ses champs selon la méthode anglaise. Mais le blé russe ne pousse pas à la mode étrangère. Et bien que la nouvelle méthode eût considérablement réduit ses frais, les revenus de Grigory Ivanovitch n'augmentaient guère. Même à la campagne, il trouvait le moyen de s'endetter. Il passait néanmoins pour avoir du jugement, ayant été le premier propriétaire de sa province à hypothéquer son domaine au conseil de tutelle, une opération qui semblait à l'époque éminemment audacieuse et compliquée. Parmi tous ceux qui le désapprouvaient, Berestov se montrait le plus sévère. La haine des innovations était un trait marquant de son caractère. L'anglomanie de son voisin le mettait hors de lui, et il trouvait sans cesse prétexte à le critiquer. S'il montrait son domaine à quelque hôte et que celui-ci le complimentait, il répondait avec un sourire malin. Eh oui, chez moi, ce n'est pas comme chez mon voisin Grigori Ivanovitch. Je n'en suis pas encore à me ruiner à l'anglaise. J'aime autant rester russe et manger à ma faim. Les voisins zélés ne manquaient pas de rapporter ces plaisanteries, et d'autres encore, à Grigori Ivanovitch, affublé d'explications et de commentaires. L'angloman supportait la critique avec autant d'impatience que nos chroniqueurs littéraires. Il rageait et traitait son zoïle d'ours et de provincial. Les rapports entre les deux propriétaires en étaient là lorsque le fils de Berestov arriva sur ses terres. Il sortait de l'université de et s'apprêtait à embrasser une carrière militaire. Mais son père refusait d'y consentir. En revanche, le jeune homme ne se sentait nulle disposition pour la bureaucratie. Aucun des deux ne voulait céder, et le jeune Alexei menait en attendant la vie de seigneur, ayant toutefois laissé pousser à tout hasard sa moustache. Alexei était en vérité un beau garçon. Il aurait été bien dommage que sa svelte silhouette ne fût jamais enserrée dans l'uniforme et qu'au lieu de parader sur un cheval, il passa sa jeunesse courbée sur la paperasse administrative. Le voyant toujours galoper en tête de la chasse, sans regarder le chemin, les voisins s'accordaient à dire qu'il ne ferait jamais un bon chef de cabinet. Il attirait le regard des jeunes filles, et certaines n'en pouvaient détacher les yeux. Mais Alexei leur prêtait peu d'attention. Aussi supposait-elle qu'une liaison amoureuse était la cause de cette indifférence. En effet, circulait de main en main la copie de l'adresse d'une de ces lettres. À Akulina Petrovna Kurochkina, à Moscou, en face du couvent de Saint Alexis, maison du chaudronnier Savelyev, avec la respectueuse prière de transmettre cette lettre à ANR. Ceux de mes lecteurs qui n'ont jamais vécu à la campagne ne peuvent s'imaginer le charme de ces demoiselles de province. Élevées à l'air frais, à l'ombre de leurs pommiers, elle puise dans les livres la connaissance du monde et de la vie. La solitude, la liberté et la lecture développent tôt en elle des sentiments et des passions inconnues de nos beautés évaporées. Pour une telle demoiselle, le son des grelots est déjà une aventure. Un voyage à la ville voisine marque une époque de leur vie, et le passage d'un hôte laisse un souvenir durable, parfois éternel. Libre à chacun de trouver ridicule certaines de leurs bizarreries, mais les railleries de l'observateur négligent ne sauraient altérer leurs qualités essentielles, dont la principale est la particularité de caractère, l'individualité sans laquelle, dit Jean-Paul, il n'y a point de grandeur humaine. Les femmes reçoivent peut-être une meilleure éducation dans les capitales, mais l'habitude du monde a tôt fait de niveler les caractères et de rendre les âmes aussi semblables l'une à l'autre que les coiffures. Qu'on ne prenne point ces propos pour une critique ni un jugement. Mais nota nostra manette, comme l'écrit un ancien commentateur. Il est aisé d'imaginer quelle impression Alexei a dû produire dans le cercle de nos demoiselles. Il fut le premier à se montrer à elles taciturne et désenchantée, le premier à leur parler des joies éphémères et de sa jeunesse flétrie. En plus, Alexei portait à son doigt une bague noire ornée d'une tête de mort. Tout cela était tout à fait nouveau dans cette province. Les jeunes filles devinrent folles de lui. Mais, plus que de tout autre, il occupait l'esprit de la fille de notre Anglomane, Lisa, ou Betsy, comme l'appelait d'habitude Grégory Ivanovitch. Leur père ne se fréquentait point et elle n'avait pas encore vu Alexei, alors que tous les voisins ne parlaient que de lui. Elle avait dix-sept ans, des yeux noirs animaient son agréable visage hâlé. Elle était enfant unique et par conséquent gâtée. Sa vivacité et ses espiègleries incessantes ravissaient son père et désespéraient sa gouvernante, Miss Jackson, une vieille fille guindée de quarante ans, qui se mettait en blanc, se noircissait les sourcils, relisait Pamela deux fois l'an, recevait pour cela deux mille roubles, et se mourait d'ennui dans cette barbare Russie. C'était Nastia, la femme de chambre de Lisa, qui veillait sur sa maîtresse. Un peu plus âgée qu'elle, Nastia était tout aussi frivole. Lisa l'aimait beaucoup, lui confiait tous ses secrets, partageait avec elle tous ses plans. En un mot, Nastia était à Prilouchino un personnage de bien plus grande importance que n'importe quelle confidente de la tragédie française. Permettez-moi de sortir aujourd'hui demanda Nastia un jour en habillant sa maîtresse. Soit, mais pour aller où À Tourguilovo, chez les Berestov. On fête la femme du cuisinier et elle est venue hier nous inviter à dîner. Voilà, dit Lisa. Les maîtres sont brouillés et on s'invite les uns les autres. Qu'avons-nous à faire des maîtres? objecta Nastia. D'ailleurs, je suis à vous et non à votre papa. Et vous n'êtes point encore brouillé avec le jeune Berestov. Que les vieux se querellent si ça les amuse. Tâche de voir Alexei Berestov, Nastia. Et raconte-moi bien en détail comment il est fait de sa personne et quel genre d'homme il est. Nastia lui promit de le faire et toute la journée Lisa attendit son retour avec impatience. Le soir, Nastia revint. Eh bien, Lisaveta Grigorievna, dit-elle en entrant dans la chambre, je l'ai vu et bien vu le jeune Berestov. J'ai passé toute la journée en sa compagnie. Que veux-tu dire? Raconte! Raconte-moi tout dans l'ordre. « Voici, mademoiselle. »« Nous sommes donc allés, moi, Anissia Yegorovna, Nénila, Donka. »« Oui, je sais cela. »« Et ensuite ?»« Permettez, mademoiselle, je vous raconterai tout dans l'ordre. »« Nous voici arrivés à temps pour le dîner. »« La pièce était pleine de monde. »« Il y avait des gens de Kolbino, de Zakarievo, la femme de l'intendant avec ses filles, ceux de Cloupino. Et Berestov alors ?» Attendez donc! Nous voici à tabler. La femme de l'intendant à la place d'honneur, et moi à côté d'elle. Ses filles se sont mises à bouder, mais moi, je m'en fiche. Ah, oh, Nastia, que tu m'ennuies avec tes sempiternels détails! Comme vous êtes impatiente! Eh bien, nous voilà sortis de table. Nous y étions restés près de trois heures, et le dîner était bien bon. Il y avait du blanc mangé, bleu, rouge et panaché. Nous voilà donc sortis de table et partis au jardin jouer à Colin Maillard. Et c'est là que le jeune maître est venu. Alors Est-il vraiment aussi beau qu'on le dit Extraordinairement beau. Un vrai bel homme, on peut le dire. Élancé, grand, le teint frais. Vraiment Et moi qui le croyais pâle. Et alors Comment t'a-t-il paru Triste Rêveur Pensez donc. De ma vie, je n'ai vu un forcené pareil. Il s'est mis en tête de jouer avec nous. Jouer au Colin Maillard avec vous? Impossible. Et comment? Et puis, que n'a-t-il pas inventé encore? Sitôt qu'il en attrape une, il l'embrasse. Libre à toi, Nastia. Mais tu mens. Libre à vous. Je ne mens pas. J'ai eu bien du mal à m'en défaire. Il ne nous a pas quittés de la journée. Mais alors? Comment se fait-il qu'on le dise amoureux et qu'il n'est Dieu pour personne? Je n'en sais rien, mademoiselle, mais je peux vous dire qu'il avait des yeux pour moi et pour Tania, la fille de l'intendant. Et d'ailleurs, pour la pacha de Colbino aussi. C'est péché à dire, mais il n'en a pas oublié une, le polisson. C'est incroyable! Et qu'en disent ces gens? On dit que c'est un bon maître, si gentil, si gai. On ne lui reproche qu'une chose. Il court trop après les filles paysannes. Moi, je n'y vois pas de mal. Il se calmera avec le temps. Ah. Que j'aimerais le voir, dit Lisa en soupirant. Qu'est ce qui vous en empêche? Tout n'est pas loin de chez nous, trois verres à peine. Allez vous y promener, ou bien partez à cheval, vous le rencontrerez sûrement. Tous les matins, de bonne heure, il va à la chasse avec son fusil. Ça ne serait pas bien. Il pourrait penser que je lui cours après. D'ailleurs, nos pères sont brouillés, et je ne peux pas décemment faire sa connaissance. Tiens, devine quoi, Nastia? Je vais me déguiser en paysanne. En effet, pourquoi pas? Mettez une chemise de grosse toile, une robe de paysanne, et allez sans crainte à Touguilovo. Je vous assure que Berestov ne vous manquera pas. Et d'ailleurs, je parle très bien le patois d'ici. Ah, Nastia, ma chère Nastia, quelle excellente idée! Et Lisa alla se coucher avec l'intention ferme de mener à bien son amusant projet. Le lendemain, elle entreprit de mettre le plan à exécution. Elle envoya prendre au marché de la grosse toile, du nankin bleu et des boutons de cuivre. Avec l'aide de Nastia, elle se tailla une chemisette et une robe, mit toutes les servantes à la couture, et le soir même tout était prêt. Lisa essaya son nouveau costume, et reconnut devant le miroir qu'elle ne s'était encore jamais trouvée aussi charmante. Elle répéta son rôle, salua très bas tout en marchant, hocha de la tête, à la manière d'une potiche, parla en patois, rit en se cachant la bouche avec sa manche et obtint l'approbation complète de Nastia. Elle ne rencontra qu'une seule difficulté. Elle avait bien essayé de marcher dans la cour pieds nus, mais l'herbe drue lui piquait les pieds et le sable et les cailloux lui semblèrent insupportables. Là encore, Nastia lui vint en aide. Elle prit la mesure de son pied, courut dans les champs trouver Trophime, le berger, et lui commanda une paire de sandales paysannes en écorce de bouleau, à cette mesure. Le lendemain, Lisa se réveilla à l'aube. Toute la maison dormait encore. Nastia, au bord de la route, attendait le berger. On entendit le son du pipeau et le troupeau du village défila devant la cour de la maison seigneuriale. Trophime, en passant devant Nastia, lui donna une paire de petites sandales bigarrées et reçut d'elle cinquante copèques en récompense lisa s'habilla discrètement paysanne donna à voix basse les instructions à nastia concernant miss jackson sortit par les communs et traversant le potager courut dans les champs l'aurore brillait à l'est et des rangées de nuages dorés paraissaient attendre le soleil comme les courtisans attendent le souverain le ciel clair la fraîcheur du matin la rosée la brise légère et le chant des oiseaux remplissaient le cœur de Lisa d'une gaieté enfantine. Craignant de rencontrer quelques connaissances, on aurait dit qu'elle volait plutôt qu'elle ne marchait. En s'approchant du bois qui s'étendait à la limite du domaine de son père, Lisa a ralenti le pas. C'est ici qu'elle devait attendre Alexey. Son cœur battait fortement, sans savoir pourquoi. Mais la frayeur qui accompagne les espiègleries de notre jeunesse en est aussi le meilleur délice. Lisa entra dans la pénombre du bois. Sa rumeur profonde et vague accueillit la jeune fille. Sa gaieté s'apaisa. Peu à peu elle se laissa aller à une douce rêverie. Elle songeait. Mais peut on savoir exactement à quoi songe une jeune fille de dix-sept ans, seule dans un bois au printemps à six heures du matin? Elle avançait ainsi, plongée dans ses rêveries, le long d'une route bordée de chaque côté par de grands arbres. Quand un chien d'arrêt superbe déboula devant elle en aboyant. Lisa prit peur et poussa un cri. Au même instant, une voix résonna. Tout beau, ce ici Et un jeune chasseur parut derrière un buisson. N'aie pas peur, ma petite, dit-il à Lisa. Mon chien ne mord pas. Lisa s'était déjà remise de son effroi et profita aussitôt de cette occasion. J'ai tout de même peur, Barine dit-elle avec un mélange de feint effroi et de feinte de timidité. J'ai peur, il a l'air bien méchant, il va encore se jeter sur moi. Alexei, le lecteur l'aura reconnu, regardait cependant fixement la jeune paysanne. Je t'accompagnerai si tu as peur, lui dit-il. Permets-tu que je marche à côté de toi? Qui t'en empêche? répondit Lisa. À chacun sa liberté, et la route est à tout le monde. D'où es-tu? De Prilucino. Je suis la fille de Vassili le forgeron. Je m'en vais cueillir des champignons. Lisa portait un petit panier au bout d'une ficelle. Et toi, Barine? Tu ne serais pas de Tugilovo ?»« Si fait! Je suis le valet de chambre du jeune maître. Alexei voulait se mettre sur un pied d'égalité. Mais Lisa le regarda et rit. Tu mens! dit-elle. Va trouver plus sotte que moi. Je vois bien que c'est toi-même le maître. Qu'est ce qui te fait croire cela? Mais tout. Allons bon. Comment veux tu ne pas reconnaître un barine d'un domestique? Tu n'es pas habillé pareil, tu ne causes pas comme nous, tu appelles ton chien dans une autre langue. Lisa plaisait de plus en plus à Alexei. N'ayant pas l'habitude de se gêner avec les jolies villageoises, il voulut la saisir par la taille mais Lisa recula vivement et prit soudain un air si austère et si froid qu'Alexei, bien qu'il lui éclatait de rire, se garda de poursuivre ses tentatives. Si vous voulez que nous soyons amis, dit-elle avec dignité, veuillez surveiller vos manières. Qui donc t'aura appris ce genre de finesse? demanda-t-il en riant. Serait-elle mon amie Nastienka, la femme de chambre de votre demoiselle? C'est donc ainsi que se propage l'éducation? Lisa sentit qu'elle avait failli se trahir et se reprit aussitôt. Eh, hey, quoi? dit-elle. Tu crois donc que je ne suis jamais allé chez les maîtres J'en ai vu et j'en ai entendu des choses. Mais de bavarder avec toi, poursuivit-elle, ce n'est pas ce qui remplira mon panier. Va-t'en donc de ton côté, Barine, et moi j'irai de l'autre. C'est avec mes excuses. » Lisa voulut s'éloigner, mais Alexei la retint par la main. « Comment t'appelles-tu, ma belle âme ?»« Akulina que je m'appelle, » répondit Lisa, s'efforçant de libérer sa main des doigts d'Alexei. « Mais lâche-moi, Barine il faut que je rentre chez moi. Eh bien, Coulina, mon ami, j'irai sans faute rendre visite à ton père, Vassili le forgeron. Oh non! s'écria vivement Lisa. Au nom du Christ, n'y va pas! Si jamais on apprend chez moi que j'ai bavardé avec le Barine, seul dans les bois, il m'arrivera malheur. Mon père me battra à mort. Mais je veux pourtant te revoir absolument. Eh bien, je, je reviendrai ici un jour, cueillir des champignons. Mais quand? Demain, si tu veux. Chère Akulina, je t'aurais bien embrassé, mais je n'ose pas. Alors demain, à la même heure, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu viendras. Promis. Jure-le. Eh bien, par le vendredi saint, je viendrai. Les jeunes gens se séparèrent. Lisa sortit du bois, traversa le champ, se faufila dans le jardin et courut à toutes jambes vers la fenêtre où l'attendait Nastia. Là-bas, elle se changea, répondant distraitement aux questions de son impatiente confidente et se présenta au salon. La table était déjà mise. Le déjeuner était prêt et Miss Jackson, fardée et corsetée comme un verre à pied, coupait de fines tranches de pain. Son père la félicita pour la promenade matinale. Il n'y a rien de plus sain, dit-il, que de se lever à l'aurore. Là-dessus, il cita plusieurs exemples de longévité humaine puisés dans les revues anglaises en remarquant que tous les hommes qui avaient vécu au-delà de Cent ans ne buvaient pas de vodka et se levaient à l'aurore, été comme hiver. Lisa ne l'écoutait pas. Elle revivait en pensée tous les détails de sa rencontre matinale, toute la conversation d'Akulina avec le jeune chasseur, et sa conscience commençait à la tourmenter. Elle se persuadait en vain que leur entrevue n'avait en rien dépassé les bornes de la bienséance, que cette plaisanterie ne pouvait avoir de conséquences. Sa conscience parlait plus haut que sa raison. La promesse qu'elle avait faite de revenir le lendemain l'inquiétait par-dessus tout. Elle faillit se résoudre à ne pas tenir son serment solennel. Mais Alexei, l'ayant attendu en vain, serait capable de partir à la recherche de la fille de Facilie le forgeron, la véritable Akoulina, une grosse fille au visage grêlé, et découvrir ainsi sa frivole supercherie. Cette pensée épouvanta Lisa et elle décida de retourner le lendemain au bois déguisé en acoulina. De son côté, Alexei était enchanté. Il pensa tout le jour à sa nouvelle amie. La nuit, l'image de la belle brune le hanta jusque dans ses rêves. L'aurore pointait à peine qu'Alexei était déjà habillé. Sans se donner le temps de charger son fusil, il sortit dans les champs avec son fidèle Sbogar et courut au lieu du rendez-vous. Près d'une demi heure passa en une attente qui lui fut insupportable. Enfin, il aperçut une robe bleue à travers les buissons et courut à la rencontre de sa chère Akulina. Elle sourit à sa gratitude exaltée, mais Alexei remarqua aussitôt sur son visage des traces de tristesse et d'inquiétude. Il voulut en connaître la cause. Lisa avoua que sa conduite lui semblait légère, qu'elle s'en repentait, qu'elle n'avait pas voulu manquer à son serment cette fois ci, mais que ce rendez-vous serait aussi le dernier, et qu'elle le priait de rompre ses rapports qui ne pouvaient conduire à rien de bon. Tout ceci avait naturellement été dit en patois, mais de telles pensées et de tels sentiments, extraordinaires chez une fille de simple condition, frappèrent Alexei. Il employa toute son éloquence à détourner Akulina de sa résolution. Il l'assurait de l'innocence de ses désirs, lui promettait qu'elle n'aurait jamais à se repentir de rien par sa faute. Qu'il lui obéirait en tout, et la conjurait de ne pas le priver de cet unique bonheur. L'avoir seul ne fût-ce qu'un jour sur deux, ne fût-ce que deux fois par semaine. Son langage était celui d'une véritable passion, et en cet instant, il était bien réellement amoureux. Lisa l'écoutait en silence. Promets-moi, dit-elle enfin, de ne jamais me chercher au village, ni de questionner les gens à mon sujet. Donne-moi ta parole, que tu ne chercheras pas à me voir, en dehors des rendez-vous que je t'accorderai moi-même. Alexei voulut jurer par le vendredi saint, mais elle l'arrêta en souriant. Je n'ai pas besoin de ce serment, dit Lisa. Ta promesse seule me suffit. Après cela, ils parlèrent en bons amis, se promenant côte à côte dans le bois, jusqu'au moment où Lisa lui dit. Il est temps. Ils se quittèrent. Et Alexei, resté seul, ne pouvait comprendre comment une simple fille du village avait réussi à prendre, au bout de deux rendez-vous, un tel empire sur lui. Ses rapports avec Akoulina avaient pour lui le charme de la nouveauté, et bien que les prescriptions de l'étrange paysanne lui parussent contraignantes, l'idée de manquer à sa parole ne lui effleura pas même l'esprit. C'est aussi que, malgré sa fatale bague, sa mystérieuse correspondance et ses airs taciturnes et désabusés, Alexei était un garçon bon et ardent, avec un cœur pur, capable d'apprécier les délices de l'innocence. Si je n'en faisais qu'à mon envie, je ne manquerais point de décrire en détail les entrevues des jeunes gens, leur inclination réciproque et leur confiance grandissante, leurs occupations, leurs discours. Mais je sais que la plupart de mes lecteurs ne partageraient point ma délectation. Ce genre de détails doivent en effet paraître bien mièvres, je m'en dispenserai donc disant seulement qu'en moins de deux mois, Alexei était éperdument amoureux, et Lisa, bien que plus réservée, n'était pas moins éprise. Tous deux étaient heureux, et jouissaient du présent sans songer à l'avenir. La pensée de liens indissolubles leur était venue plus d'une fois, mais ils n'en parlaient jamais l'un à l'autre, et la raison en était claire. Alexei, si attaché qu'il fût à sa douce Acoulina, gardait à l'esprit la distance qui existait entre lui et la pauvre paysanne. Lisa, pour sa part, savait la haine qui existait entre leurs pères et n'osait espérer un accommodement réciproque. Du reste, son amour-propre était secrètement piqué par un obscur et romanesque espoir de voir enfin le maître de Tugilovo au pied de la fille du forgeron de Prilucino. un événement considérable faillit changer subitement la relation qui les unissait. Par une matinée claire et froide, de celle dont notre automne russe est prodigue. Ivan Petrovitch Berestov sortit à cheval pour une promenade, emmenant à tout hasard trois paires de lévriers, un piqueur et plusieurs gamins munis de crécelles. Pendant ce temps, Grégory Ivanovitch Muromski, séduit par le beau temps, fit sceller sa jument à la queue écourtée et partit au trot faire le tour de ses domaines anglaisés. Approchant du bois, il vit son voisin fièrement assis sur son cheval, vêtu d'une casaque doublée de renard attendant le lièvre que les gamins, par leurs cris et le bruit de leurs crécelles, s'efforçaient de faire sortir des buissons. Si Grigory Ivanovitch avait pu prévoir cette rencontre, il serait certainement passé ailleurs, mais il tomba sur Berestov inopinément, et se trouva soudain à portée de pistolet de ce dernier. Il n'y avait rien à faire. Muromsky, en Européen civilisé, s'approcha de son adversaire et le salua courtoisement. Berestov lui rendit son salut avec la grâce de l'ours de foire à qui le montreur ordonne de saluer l'aimable public. Pendant ce temps, le lièvre sortit du bois et bondit à travers les champs. Berestov et le piqueur crièrent à tue-tête, lâchèrent les chiens et s'élancèrent au galop. La jument de Moromski qui n'avait jamais été à la chasse, prit peur et s'emballa. Moromski qui s'était déclaré excellent cavalier, rendit la main et se réjouit intérieurement de cette occasion qui le dérobait à une rencontre désagréable. Mais la jument, arrivée devant un fossé qu'elle n'avait pas vu jusque là, fit un écart et Muromsky fut désarçonné. Il tomba assez maladroitement sur la terre gelée et resta étendu là, maudissant sa jument qui, comme revenue à elle, s'arrêta sitôt qu'elle se sentit sans cavalier. Ivan Petrovitch arriva au galop, demandant s'il ne s'était pas blessé. Pendant ce temps, le piqueur ramena par l'abri de la jument coupable, aida Muromsky à remonter et Berestov l'invita chez lui. Muromsky ne pouvait refuser, se sentant obligé, et de cette façon Berestov revint chez lui glorieux, rapportant un lièvre et ramenant son adversaire blessé presque comme un prisonnier de guerre. Les voisins causèrent agréablement au déjeuner. Muromsky pria Berestov de lui prêter une calèche, avouant qu'il se sentait incapable après la chute de rentrer chez lui à cheval. Berestov le raccompagna jusqu'au perron, et Muromski ne partit qu'après lui avoir fait promettre de venir le lendemain même dîner en toute amitié à Prilucino, accompagné d'Alexei Ivanovitch. C'est ainsi qu'une inimitié ancienne et profondément invétérée semblait être sur le point de prendre fin grâce à l'humeur craintive d'une jument anglaise. Lisa accourut au devant de Grigori Ivanovitch. « Qu'y a-t-il, papa » dit-elle avec étonnement. « Vous boitez Qu'avez-vous fait de votre jument À qui est cette calèche tu ne devineras jamais ma lui répondit grigori ivanovitch et il lui conta tout ce qui lui était arrivé lisa n'en croyait pas ses oreilles grigori ivanovitch sans lui donner le temps de se ressaisir lui annonça que les deux bérestoff étaient invités à dîner chez lui le lendemain que dites-vous s'écria lisa en pâlissant les bérestoff père et fils à dîner chez nous demain non, papa, faites ce que vous voudrez, mais je ne me montrerai pour rien au monde. Mais, tu es folle, répliqua son père. Depuis quand es-tu devenu si timide? Ou bien nourris-tu envers eux une haine héréditaire, comme une héroïne de roman? Laisse donc tes frodennes !»« Non, papa, jamais de la vie. Pour tout l'or du monde, je n'apparaîtrai devant les Berestov. Grigori Ivanovitch haussa les épaules et ne discuta pas davantage sachant qu'on ne gagne rien à contredire sa fille, et alla se reposer de sa mémorable promenade. Lisaveta Grigorievna se retira dans sa chambre et convoqua Nastia. Ensemble, elles discutèrent longuement de la visite qui s'annonçait. Que penserait Alexei s'il reconnaissait son akoulina dans la Demoiselle aux bonnes manières? Quelle opinion se ferait il de sa conduite et de ses principes et de son bon sens? D'un autre côté, Lisa avait forte envie de voir l'impression que ferait sur lui une rencontre aussi inattendue. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Elle la confia aussitôt à Nastia. Toutes deux s'en réjouirent comme d'une excellente trouvaille et décidèrent de la mettre coûte que coûte à exécution. Le lendemain au déjeuner, Grigori Ivanovitch demanda à sa fille si elle comptait toujours se cacher à l'arrivée des Berestov. Papa, répondit Lisa, je les accueillerai si tel est votre souhait. Mais à une condition. Quelle que soit la façon dont je me présenterai, quoi que je fasse, promettez de ne point me gronder après et de ne pas manifester de surprise ou de mécontentement. Encore quelque enfantillage, dit en riant Grigori Ivanovitch. Eh bien, va, j'y consens. Fais ce que tu voudras, ma jolie polissonne. Sur ce mot, il l'embrassa sur le front et Lisa courut se préparer. À deux heures précises, une calèche fabriquée à l'atelier domestique et attelée de six chevaux entra dans la cour et contourna la pelouse de gazon épais qui se trouvait au milieu. Le vieux Berestov gravit le perron aidé par deux laquais en livrée de Muromsky. Son fils l'avait suivi à cheval et entra avec lui dans le salon où la table était déjà prête. Muromsky reçut ses voisins on ne peut plus aimablement, leur offrit de visiter le jardin et la ménagerie avant le dîner. Les emmena le long d'allées de sable fin, soigneusement contenues. Le vieux Berestov déplorait intérieurement le travail et le temps qui avaient été gaspillés pour des caprices si inutiles, mais se taisait par politesse. Son fils ne partageait ni la réprobation du propriétaire économe, ni l'exaltation de l'anglomane orgueilleux. Il attendait avec impatience l'apparition de la fille de Moromsky dont il avait beaucoup entendu parler. Et bien que son cœur, comme nous le savons, fût déjà pris, une jeune beauté avait toujours pris sur son imagination. De retour au salon, ils se mirent tous les trois à table. Les vieux se souvinrent du temps jadis et des anecdotes de leur ancien régiment, et Alexei songeait au rôle qu'il jouerait en présence de Lisa. Il décida qu'une froideur distraite serait dans tous les cas fort à propos, et se prépara en conséquence. La porte s'ouvrit, et il tourna la tête avec une telle indifférence, une nonchalance si hautaine, que le cœur de la coquette la plus endurcie aurait immanquablement dû frémir. Par malheur, au lieu de Lisa, ce fut la vieille Miss Jackson fardée et sanglée qui entra, avec un regard baissé et une légère révérence, et la belle manœuvre militaire d'Alexei fut perdue pour rien. À peine eut-il le temps de rassembler ses forces que la porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, ce fut Lisa qui entra. Tout le monde se leva. Le père allait commencer les présentations, mais s'interrompit soudain et se mordit vite les lèvres. Lisa, sa Lisa au teint mat, avait le visage enduit de blanc jusqu'aux oreilles et était plus fardée encore que Miss Jackson. De fausses boucles beaucoup plus claires que ses propres cheveux étaient arrangées comme une perruque de Louis XIV. Ses manches à l'imbécile étaient raides comme les paniers de Madame de Pompadour. Son corsage la serrait à la faire ressembler à un X et tous les diamants de sa mère qui n'avaient pas encore été engagés au monde piété scintillait à ses doigts, à son cou et à ses oreilles. Alexei ne pouvait pas reconnaître son akoulina dans cette demoiselle ridicule et brillante. Le vieux Berestov lui baisa la main et Alexei suivit son exemple à contre Lorsqu'il toucha ses délicats doigts blancs, il lui sembla qu'il tremblait. Il put cependant remarquer un petit pied avancé à dessin, chaussé avec toute la coquetterie possible. Ceci le réconcilia quelque peu avec le reste de la parure. Pour ce qui est du blanc et du phare, Alexei, dans sa simplicité de cœur, ne les remarqua ni au premier abord, ni à vrai dire par la suite. Grigori Ivanovitch se rappela sa promesse et tâchait de ne rien montrer de sa surprise, mais la mascarade de sa fille lui paraissait si amusante qu'il ne se retenait qu'à grand'peine. En revanche, l'Anglaise compassée était bien loin de rire. Elle se doutait que le blanc et le phare avaient été dérobés dans sa commode. Et la rougeur écarlate du dépit perçait sous la blancheur artificielle de son visage. Elle jetait des regards fulminants à la jeune effrontée, qui, remettant les explications à plus tard, feignait de ne pas les remarquer. On se mit à table. Alexei affectait toujours une contenance distraite et pensive. Lisa Minodet parlait sans desserrer les dents d'une voix traînante et uniquement en français. Son père la dévisageait incessamment, sans comprendre son manège. Mais trouvant tout ceci fort divertissant. L'anglaise enrageait en silence. Seul Ivan Petrovitch était tout à fait à son aise. Il mangeait comme quatre, buvait comme à son habitude, s'amusait de son propre rire et devenait plus cordial et hilar d'heure en heure. Enfin, on se leva de table. Les invités s'en allèrent et Grigori Ivanovitch donna libre cours à son rire et à ses questions. Qu'est-ce donc qui t'a pris de les duper de la sorte? demanda-t-il à Lisa. D'ailleurs, sais-tu quoi Le blanc te sied. Je ne veux point entrer dans les détails de ta toilette féminine, mais si j'étais toi, je mettrais toujours du blanc. Pas autant, certes, mais un peu. Lisa était ravie du succès de son stratagème. Elle embrassa son père, lui promit de réfléchir à sa recommandation et courut à madouer Miss Jackson très irritée. Bien des efforts furent nécessaires pour que cette dernière consentît à ouvrir enfin sa porte et à entendre des excuses. Lisa avait honte de paraître aussi noiraude devant les étrangers. Elle n'avait osé demander. Elle était persuadée que la bonne, la gentille Miss Jackson lui pardonnerait, etc., etc. Une fois persuadée que Lisa n'avait pas cherché à la tourner en ridicule, Miss Jackson s'apaisa, embrassa Lisa et lui fit cadeau en gage de réconciliation d'un petit pot de blanc anglais que Lisa accepta avec l'expression d'une sincère reconnaissance. Le lecteur aura deviné que le lendemain matin, Lisa ne tarda pas à paraître au rendez-vous du bosquet. Eh bien, Barine, tu as été hier chez nos maîtres? dit elle aussitôt à Alexei. Qu'as-tu pensé de la demoiselle? Alexei lui répondit qu'il ne lui avait rien trouvé de remarquable. C'est dommage, reprit Lisa. Pourquoi donc? demanda Alexei. Parce que je voulais te demander s'il est bien vrai ce qu'on dit. Et que dit on? Est-il bien vrai qu'on dit que je ressemble à la demoiselle oh, C'est absurde Elle est un parfait laidron auprès de toi. Ah oh, Barine, quel péché de parler ainsi Notre demoiselle est si blanche, si élégante. Je suis bien loin de rivaliser avec elle. Alexei lui jura qu'elle était plus belle que n'importe quelle demoiselle au teint blanc, et pour dissiper tout à fait ses doutes, il se mit à décrire sa maîtresse sous des traits si comiques que Lisa riait de tout son cœur. Pourtant, dit-elle avec un soupir, la demoiselle est peut-être ridicule, mais en comparaison d'elle, je ne suis qu'une sotte illettrée. Bah. Fit Alexei, voilà bien un sujet de désolation. Si tu le voulais, je pourrais t'apprendre tout cela très vite. C'est vrai, dit Lisa. Pourquoi ne pas essayer En effet. Bien volontiers, ma douce. Commençons sur le champ. Ils s'assirent. Alexei tira de sa poche un crayon et un petit carnet. Akulina apprit les lettres avec une rapidité surprenante. Alexei ne cessait de s'étonner de ses bonnes dispositions. Le lendemain matin, elle voulut aussi apprendre à écrire. Le crayon lui obéissait mal au début, mais au bout de quelques minutes, elle parvint à former convenablement les lettres. « Quel prodige !» disait Alexei. « L'instruction chez nous va plus vite qu'avec la méthode Lancaster. » De fait, au bout de la troisième leçon, Akulina déchiffrait déjà « Nathalie, fille du boyard », interrompait la lecture par des observations dont Alexei restait parfaitement sidéré et couvrit une feuille entière d'aphorismes tirés de ce récit. À l'issue de la semaine, une correspondance s'établit entre eux. Le bureau de poste fut installé dans le creux d'un vieux chêne et Nastia remplissait en secret le rôle de facteur. Alexei y apportait ses lettres écrites en large caractère et il y trouvait celles de sa bien-aimée. Griffonné sur du gros papier bleu. Akulina prenait à l'évidence l'habitude d'un meilleur style et son intelligence se développait et se formait très sensiblement. Entre-temps, la récente relation d'Ivan Petrovitch Berestov et de Grigori Ivanovitch Muromsky prenait racine et se mua rapidement en amitié pour les raisons que voici. Muromsky songeait souvent qu'à la mort d'Ivan Petrovitch, son domaine passerait tout entier aux mains d'Alexei Ivanovitch, Alexei Ivanovitch se retrouverait alors l'un des plus riches propriétaires de la province, et il n'y aurait pas la moindre raison pour lui de ne pas épouser Lisa. Le vieux Berestov, de son côté, trouvait à son voisin bien des extravagances, ou selon son expression, des foutaises à l'anglaise, mais ne manquait pourtant pas de lui reconnaître maintes qualités, à commencer par sa rare habileté. Grigory Ivanovitch était un proche parent du comte Pronsky, personnage bien-né et puissant. Le comte pouvait être fort utile à Alexei, et Muromsky, se disait Ivan Petrovitch, se réjouirait sans doute d'une occasion de marier sa fille à un riche parti. Les vieux ruminèrent tant ce projet chacun de son côté qu'au bout d'un moment ils n'y tinrent plus, s'en expliquèrent enfin tous les deux, s'embrassèrent, se promirent l'un à l'autre d'arranger cette affaire comme il convient, et ils se mirent chacun à la tâche. Muromsky prévoyait une difficulté convaincre sa Betsy de faire plus ample connaissance avec Alexei, qu'elle n'avait pas revu depuis le mémorable dîner. Il semblait que les jeunes gens ne se plaisaient guère. Du moins Alexei ne revenait plus à priluchino et Lisa se retirait chez elle chaque fois qu'Ivan Petrovitch les honorait de sa visite. Mais, pensait Grigory Ivanovitch, si Alexei vient chaque jour chez moi, Betsy devra bien tomber amoureuse de lui. C'est dans l'ordre des choses. Le temps arrangera tout. Ivan Petrovitch s'inquiétait moins du succès de ses projets. Le soir même, il fit venir son fils dans son cabinet, alluma une pipe et après un moment de silence dit: Comment se fait-il Aliosha que depuis quelque temps tu ne me parles plus d'entrer dans l'armée? L'uniforme des hussards ne te séduit donc plus? Non mon père, répondit respectueusement Alexei. Je vois qu'il ne vous plaît pas que je devienne hussard. Mon devoir est de vous obéir. Fort bien répondit Ivan Petrovitch. Je vois que tu es un fils obéissant. Cela m'est agréable. Je ne veux pas non plus te contraindre, je ne t'oblige pas à accepter immédiatement un poste dans l'administration. En ascendant, j'ai l'intention de te marier. À qui donc, mon père? À Lisabeta Grigorievna Moromskaya, répondit Ivan Petrovitch. C'est une fiancée parfaite, ne trouves tu pas? Père, je ne songe pas encore au mariage. Puisque tu n'y songes pas, j'y ai pensé et repensé pour toi. Tout à votre aise mon père, mais Lisa Mouramskaya ne me plaît point. Elle te plaira plus tard, l'amour vient avec le temps. Je ne me sens pas capable de faire son bonheur. Son bonheur ce n'est pas ton affaire. C'est donc ainsi que tu respectes la volonté paternelle Eh bien, comme vous voudrez, mais je ne veux pas me marier et je ne me marierai pas. Tu te marieras ou bien je te maudirai. Et tous mes biens, je te le jure comme Dieu est saint. Je les vendrai, je les dilapiderai, et tu n'en auras pas un sou. Je te laisse trois jours pour réfléchir. Et d'ici là, ne t'avise pas de reparaître à mes yeux. » Alexei savait que si son père s'était mis une idée en tête, on ne pouvait l'en faire sortir même à coup de clou, selon l'expression de Taras Kotinine. Alexei tenait lui-même de son père, et il était tout aussi difficile à fléchir. Il retourna dans sa chambre et se mit à réfléchir aux limites du pouvoir paternel, à Lizaveta Grigorievna, à la promesse solennelle de le déshériter, et enfin à Akulina. Pour la première fois, il voyait clairement qu'il en était passionnément épris. L'idée romanesque d'épouser une paysanne et de vivre de son propre travail lui vint à l'esprit, et plus il pensait à cette décision cruciale, plus elle lui paraissait raisonnable. Les rendez-vous du bois avaient été interrompus depuis quelque temps pour cause de temps pluvieux. Il écrivit une lettre à Akoulina de son écriture la plus lisible et dans le style le plus emporté. Il lui annonçait leur séparation imminente et lui proposait sa main. Il porta sur le-champ sa lettre au creux de l'arbre et alla se coucher fort satisfait de lui même. Le lendemain, Alexei, dont la résolution demeurait ferme, alla chez Muromsky pour s'expliquer franchement avec lui. Il espérait toucher la magnanimité de ce dernier et s'assurer son appui. Grigori Ivanovitch est-il chez lui demanda-t-il en arrêtant son cheval au perron du château de Prilucino. Non, monsieur, répondit le domestique. Grigori Ivanovitch est sorti depuis ce matin. Comme c'est contrariant, pensa Alexei. Lisaveta Grigorievna, du moins, est-elle là Oui, monsieur. Alexei sauta à terre. Jeta l'abri au laquais et entra sans se faire annoncer. Ainsi s'en sera décidé pour de bon, pensait-il en s'approchant du salon. Je m'expliquerai avec elle-même. Il entra et resta pétrifié. Lisa, non, Akulina, la douce, la brune Akulina, non plus en robe paysanne, mais vêtue d'un simple déshabillé blanc matinal, était assise près de la fenêtre et lisait sa lettre. Elle était si absorbée dans sa lecture qu'elle ne l'avait pas entendu entrer. Alexei ne put retenir une exclamation de joie. Lisa tressaillit, leva la tête, poussa un cri et voulut s'enfuir. Il s'élança pour la retenir. « Akulina Akulina !» Lisa cherchait à se libérer. « Mais laissez-moi donc, monsieur Mais êtes-vous fou » répétait-elle en se détournant de lui. « Akulina, ma tendre amie Akulina !» répétait-il en baisant ses mains. Miss Jackson, témoin de cette scène, ne savait que penser. À cet instant, la porte s'ouvrit et Grigori Ivanovitch entra. Ha ah ah ha! dit Muromsky. Mais je vois que c'est déjà tout arrangé entre vous. Les lecteurs me feront grâce de l'obligation inutile d'exposer le dénouement.